Bonsoir, comment allez-vous depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Ce spam de Soul Ghost, Spooky, tout ça, moi j'en ai pas là. Moi j'ai pas des modes fantômes là. Moi j'ai... Si, j'ai celle-là. Il y a un fantôme techniquement dessus. Ça compte, non? Le fantôme, c'est mon âme qui sort de mon corps, mais c'est pas grave. C'était le principe. Bon, alors. Ce soir, c'est carte au trésor. Et normalement, le stream YouTube fonctionne. Du coup, bonsoir, YouTube. Ouais, c'est un peu... C'est pas très, très opti, le YouTube, hein. Enfin, c'est spécial, on va dire. En fait, je pense que c'est spécial quand on lance pas directement dans YouTube. Je sais pas. Pourquoi le chapeau, il bouge pas? J'ai tout cassé, c'est ça? J'ai encore tout cassé. Attendez. Ah, il bouge moins, là, comme ça. C'est bien, non? Voilà, ok. Ok, ce soir, carte au trésor, du coup. Carte au trésor et je ne t'ai pas oublié, Panda. Je ne t'ai pas oublié. Petit cache-cache. Oui, c'est vrai, il y a un fantôme sur le chapeau. Il disait que j'avais pas d'émote fantôme. Alors, on a qui pour ce soir? On a Neutra, on a Citrax qui peut venir aussi. Ah bah on est 7, bah voilà, il y a Roy, bah voilà, c'est très bien. C'est parfait, on va pouvoir y aller. Alors Panda, du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, si on fait du cache-cache, c'est après les cartes au trésor. Donc j'espère que ça fait pas... Je suis désolée, ça va te faire au moins 2 heures... Enfin au moins, ça va te faire maximum 2 heures à attendre. Je suis vraiment désolée. Après, est-ce que...
Tant que t'y es, il nous reste une place là actuellement. Est-ce que tu veux pas venir faire les cartes avec nous? Comme ça, au moins tu t'occupes. Au moins, t'attends pas à rien faire. Enfin, après, si t'as prévu de faire autre chose en attendant, tu as tout à fait le droit aussi. Hein. Héros SBBR. Héros tout le monde en fait. Héros les lurks aussi. Et merci pour le lurk, Yushi. Ok, alors. Faut que je groupire les gens. Pardon. Alors, Switch. Switch sur le jeu. Je vais groupir les gens. On va mettre un petit prix d'amis. Voilà. On va groupir Neutra. Ah bah... Ah oui, je me disais, mais c'est que Nagisa est partie sur Shiva. Alors, il y a qui d'autre à groupir? Je suis là. Bonsoir. Hello la famille. Bonsoir. Comment ça va la famille? Ça va, Imhotep. Imhotep. Alors, je vais groupir les gens. Oui, j'ai vu que t'avais compris. Oh, Hello. Je pourrais prévenir quand t'arrives avant de parler. Ah, oh, j'ai plus d'habitude. Tu as une voix trop grave. C'est d'accord. Ouais. Il prend le costume de papy, il fait la voix grave. Non, ce n'est pas mon travail. Merci. Ça va, tu vas pas râler comme papy. Non. C'est quoi ta ce que je râle? Rends ton personnage. Vas-y, râle. Non. Alors, Alvis qui est sur Moogle normalement. Sadako, es-tu sur Moogle ou pas encore? Non, je suis pas devant la maison. Pas en train soucis. De faire des bisous à Shinita. Mais oui, mais moi je suis dedans pour la musique en fait. Désolée. Je viens d'arriver devant la maison. Moi je suis dedans pour l'ambiance et la musique. Je veux dire, j'ai fait une déco d'Halloween, c'est pas pour rester dans le jardin en fait. T'as fait une déco dans le jardin, non? Oui, mais non. Dans la maison il y a la musique. Bah dehors il y a aussi de la musique. Et c'est pas la musique d'Halloween. Là j'ai mis la musique de Bahamut. C'est vrai qu'à l'intérieur, elle est sympa, la déco. Là, il y a la musique So Dark de Bahamut, merci. Mais Pantyrachis, c'est pas grave. Super. Allez, je rentre dedans pour faire plaisir à Mali. C'est pas des inscrits, Ita. Du coup, en fait, on est 6. Donc, il reste 2 places. Ah oui, Nagisa, du coup, peut pas venir. Il sait des inscrits ? Ita. Ita, c'est. Enfin, il sait pas des inscrits, il a dit qu'il pouvait pas venir, mais c'est pas des inscrits. Qui c'est que j'ai pas groupé? J'ai pas groupé Sadako du coup. Sadako? Ouais, que Sadako. J'ai dit Sadako! Ouais. Moi j'ai entendu Sadako. Non, j'ai dit Sadako. J'ai entendu aussi Sadako. C'est quoi? C'est la nouvelle application Attraper les tous? Sauf qu'on j'ai... a trop quoi? Vite! Qu'est-ce que. Attraper Sadako vite! N'importe quoi! N'importe quoi! Ça commence! J'ai sorti les chats. Ah bah s'il n'y a pas de tank, je vais venir en tank. Alors, du coup, j'ai groupé tout le monde, ok. Du coup, Panda, je sais pas si tu as répondu. Est-ce que en attendant le cache-cache d'après-carte, est-ce que tu veux nous rejoindre pour les cartes? D'ailleurs, il y a deux places, hein, donc il y a une deuxième personne qui peut nous rejoindre si jamais. Allez, il commence à m'énerver. Faut juste venir sur Moogle. Venir sur Moogle. J'ai une solution très simple à Saroy. Brûle-le. Une idée. Quoi, le balai? Mon balai, il t'énerve? Mais il fait le ménage. J'entends le truc. Mais... Après, le plus énervant, c'est un Amazou. Attends. Tiens, voilà. Mais il fait le ménage. J'ai pas de larbins qui font le ménage dans la maison de CL, du coup bah j'ai un balai. Y'a pas de personne dans ta CL ? Y'a personne qui nettoie l'écurie, y'a personne qui. Y'a personne qui achète les bienfaits, y'a personne qui active les bienfaits. Je plaisante. Hein. Oh y'a pas de soucis ! Ça va, y'a pas de soucis, bonsoir. Bienvenue. J'ai mangé
Ah non, c'est mon homme qui a pris des maquis ce soir. Il a pris des maquis. Moi, ouais. C'est pour au caramel ce soir. Moi, j'ai pris un poki. Avec du saumon. Un pokéball. Ça y est, j'ai enfin trouvé là où tu l'as. Je m'en achèterai un demain. J'ai un magasin de parents qui s'appelle Kona Poké. Il y a Bubble Tea et Poké. Bon, et bien. C'est super beau. En attendant que les gens se manifestent, oui, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre vos cartes. Je sais pas si j'ai tant cherché cette semaine. Oui. Oui. J'ai oublié de me vider. Ah, bah vas-y, profite-en. Allez aux toilettes. Vite. Vite. J'ai peut-être oublié de récupérer des cartes cette semaine. Je sais pas récupérer de cartes du tout. Je me suis donné quelque chose en cas cette semaine. Oupsie. J'en ai 6 en tout, donc je peux t'en filer 3. Oupsie. Comment ça, oupsie? Alors, oupsie. Je reviens. Bah attends, je check mes cerveaux quand même, parce qu'il y en a peut-être qui sont cachés quelque part. Je te jure, j'ai des cartes. Ah oui, oui, non mais je juste vérifie au cas où j'en ai pas une. J'en ai qu'une, moi. Sinon, que je peux bien une deuxième carte. Ah bah, félicitations, SBR, tu es VIP pour ce stream. VIP. Du coup, t'as le droit d'être Théo. Non, c'est pas vrai, n'écoutez pas. C'est pas vrai. Roll le dé et tu auras. C'est pas vrai. Roll le droit à ça. Voilà. Roll le dé sur 300. Mais ça va, écoute. Ça veut dire combien de temps que Théo. Ah bonsoir. Et hey, coucou Italira, merci beaucoup pour le raid. Bonsoir, comment t'allez-vous? Vas-y Sadako, t'as du taf à faire. Et c'est pas. Et le taf, c'est pas de ban les gens. C'est quoi du taf? S'il te plaît, ne ban pas les gens. Non, ne ban pas les gens. Le bon. Ça va, Sita? Hein? Ah si, c'est bon, j'ai trouvé la commande. J'ai une monture à la grotte d'Alvis. De quoi? Tu verras. Va réussir à la casser aussi celle-là. Coucou, non, c'est vrai. Là, il faut que je me vide. Soir. Oui, on a compris, Sadako. Va te vider. J'ai plus de place. Et bonsoir, Bad Haircat. Bonsoir, bienvenue. Alors, merci. Vraiment, le raid, il arrive sur des trucs magnifiques. Oui, vous arrivez au meilleur moment. Ouais, c'est vraiment au meilleur moment. Coucou. Alors. La place. Quand il dit qu'il doit se vider, c'est parce qu'il a plus ça dans son inventaire, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout. Je range aussi un peu. Si je me trompe pas, c'est 4,45. Oui, c'est ça. Ah oui, non, ok, j'entendais des bruits bizarres, c'est mon copain qui garde des trucs sur son téléphone. Bon, attendez, je range un peu. On la renomme Malitoya ou ça se passe comment? Bah, elle a bien renommé Sadako. Mais c'est ma tenue d'Halloween. 45, ça y est. Je savais pas quoi mettre. À côté du chapeau, elle voit pas les gens. Coucou Arthur. Ça va Arthur? Ah mais c'est son chapeau. Ça a été la semaine. Ah attends, on est quel jour? Si, on est dimanche. Mais c'est... Je savais plus si on était en fin de semaine ou en début de semaine ou en milieu de semaine. Pardon. Ok. Probablement servant. J'ai effectivement oublié d'aller chercher des cartes, mais je peux en récolter une quand même. Donc du coup, oui, Neutra, éventuellement, tu veux bien m'en passer une. Ah ben voilà. En plus d'être en retard, elle va bien nous faire des yeux verts. C'est Maître de CL. Oui. C'est Mali qui vient de parler. On est d'accord. Oui. Oui, c'est Mali. Oui. Désolée, j'ai oublié. J'en ai fait un peu de place. Merci beaucoup. On verra ce que ça donne. Non, mais. Pardon. Rappelle l'histoire du pot de. Le pot qui des insultes et le pot du pardon. Ah. T'en rappelles de ça? C'est quoi l'intérêt, Citrax? Merci pour le follow, Caro Viper. Ah, c'est un futur Viper, ça, je connais. Futur Main Viper, bienvenue, bonsoir. Il faut qu'on fasse une commu streamer sur F14. Mais oui, on pourrait. J'arrive. On pourrait. Ah oui, tiens, on a fait les cartes. On a pas perdu le fil de toutes les cartes, ça va. Moi j'ai tout, moi. J'ai Elbis, Marée la Métorum, Elbis. On peut commencer par la mène à Marée et puis on va à Elpis. Et il manque un temps. Attendez, faut que j'arrive. Ouais, il y aura Sadako. Mais oui, effectivement, on peut commencer à Marée et après on.
après on va chez les assassins si tu veux. Lui. Bah, on est littéralement au même endroit. Ah oui, attendez, il y a Esbert qui va nous rejoindre. Ben, écoute, on va commencer Moogle. À marrer. Donc au pire, tu peux nous rejoindre. Alors sur Moogle, je évidemment. Sur Moogle, Mali. Oui, Alvis, t'as un beau bouclier qui brille. Ah, Marle sur la lune. Tu peux nous rejoindre à la première éthérite. Je te groupe dès que j'arrive. Je préfère les boucliers qui brillent pas, personnellement. À mes yeux. Je préfère pas de bouclier tout court. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un justement, bon week-end. Quelqu'un t'a posé la question si ça va. Oui, moi je vais bien. Donc, je vais bien. C'est l'une des dernières soirées que je pourrais faire parce que mon ciel il va pas tarder à péter. En vrai, c'était fun le cache-cache tout à l'heure, j'ai bien aimé. Bah, moi j'ai adoré quand tu es passé devant moi et que tu t'es arrêté, tu m'as regardé, je fais putain, je suis découvert et puis je la vois partir. Bah, je te voyais pas. Parce qu'en fait, bah oui, mais pour moi, le chapeau, j'étais là en mode. En fait, le truc surtout, c'est que j'ai essayé de cliquer et ça cliquait pas. Et comme ça cliquait pas, je me suis dit, bon, bah non, c'est une déco sur la citrouille, j'ai pas fait gaffe. Moi je suis un peu deg, le seul moment où on recule la caméra c'est au moment où on peut me voir. Bon bah let's go Marie la main de ton room. Ça m'a dégoûté. T'as la chaud, tu fais pas d'effort. J'ai groupé tout le monde hein, sauf juste Albert que je fais pas d'effort. Elle est où la mascotte? Bah attends. Y'a quelqu'un qui a payé le TP là non? Et pourquoi je l'ai pas le TP? Parce que t'avais déjà un TP en cours. Regarde Albert. Quoi mais je l'ai annulé exprès. Bah pas attends. Super. Garde la princesse. Elle montrait où J'ai perdu ma radinerie. Je savais plus, si c'était sur Google ou pas. Je retiens pas tout le monde. Alors, il y a encore une place. Qui veut une place? Ah voilà. C'est toi, hein. Ah vas-y, j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Oh bien. Moi, je vais prendre mon balai magique. C'est pour le RP. Le serveur, les enfers, voilà. Sur le thème. Oui, non. Pour le RP. Ah yes. Je savais même pas qu'on pouvait monter à plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a, Alvis? Et si c'est 4 personnes. Tu veux rester tank? Tu préfères être tank? Ouais, non, tu peux rester tank, j'ai juste envie de jouer au pistolet. C'est tout. Coucou okay, Eda, bonsoir Red, merci pour ta raid, comment allez-vous? Jouer. Ah, ça va, ça va, j'ai fait la fin de la chef. Il y a pas de soucis. 15 version Royal Edition et je suis trop contente. Moi aussi, je peux narquer. J'avoue, j'ai jamais joué au jeu. En fait, j'ai joué à très peu de Final Fantasy. Il aura pas dans les coffres. C'est pas grave. Je l'ai pas eu dans un coffre, celle-là. Où est-ce qu'il est? Ça va être bruyant ce soir. Si, dans le coffre. Vous allez faire quoi maintenant? Mais c'est cool. Rien, vu que c'est pas plus, c'est le plus important. Alors attendez, je joue. C'est vrai que je suis en invoque, c'est vrai que c'est un costume d'invoque que j'ai. Moi c'est pas des corses. Comment on joue déjà? Quelque chose qui brille. Ouais, non, comment on joue Rudy encore parce que ça fait longtemps. Déjà on appelle son Carby. Je vais passer là. Et ensuite on clique sur ce qui brille, c'est ça? Ah ouais, tu mais sens la confiance quand on entend quelqu'un dire je vais passer healer. Non mais ça fait tellement. En fait ça fait un moment que j'ai pas sorti mon érudit parce que je suis sur le mage blanc pour monter. Je montais mon mage blanc pour le DRS. Oh. Bon ben bah, voilà. Effectivement, la nouvelle fin de FF15 elle est géniale. Ça je suis d'accord là-dessus. C'est juste. C'est une grosse. Voilà. La nouvelle fin de FF15 où ça? Il est où le portail? Il a aussi une réponse, mais à ce qui paraît, on est en stream. Il est au milieu, là, il y a la grosse flèche. C'est là, hein, et tu sautes dedans. Portail, ouais. Une salle 5. Portail, ouais. Ton derrière. Bon, de protubérant fiac. Super. Bon, bah, suivant, hein. Du coup, je suis pas avant ta carte, Moï. Alors. Alors, attends. Toi qui mets de l'ordre maintenant, tu dis qui où on va. Excusez-moi, le prenez pas mal, hein, attention, hein, c'est juste pour l'organisation. Mettez pas deux fois votre carte parce qu'après, on va se perdre. Ah. Non mais Roy, tu peux pas faire pas de soucis, c'est pas grave, t'inquiète. C'est juste. Parce que moi, dans tous les cas, j'ai toutes les cartes les unes après les autres, donc normalement c'est bon. Ah, j'ai oublié de faire le shout-out pour Eda. Alors, du coup, coucou le Red Eda. Eh ben, on va faire celle de Roy qui est à côté des dérives principales et ensuite on va se déplacer. Pour payer un TP, mon petit. Je paye mon TP parce que je suis gentil. Oh, c'est bien. Et t'inquiète, Neutra, c'est pas grave. Hein. C'est juste parce que des fois, comme il y a des gens qui parlent dans le chat équipe,
Si jamais on met deux fois les mêmes cartes, on va plus savoir si on l'a déjà fait ou pas. Mais t'inquiète mais pas. Le mieux, pas c'est grave. Le slot 2 si jamais. Hop. Alors. Ouais. Là, je vous suis. Ah, je vais pas attendre que tu me le dises pour aller à ce poste-là. Il y a une bunny girl. Il y a une bunny girl, bonjour madame. Bunny girl ou ça? Là, là. 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 Accident. Si on jette une carotte, est-ce qu'elle court après? Je sais pas, demande à Citrax, il est à moitié bunny girl. Oh merde. Eh, mais je suis en train de me dire. Ma tenue, c'est une tenue d'invocateur, enfin de mage, donc je peux passer mage rouge aussi. Non, tu peux passer mage noir aussi. Ok. Non. Ouais, non, on va éviter le mage noir. Moi, j'aime bien mage rouge. C'est assez carpétable. Moi, être mage rouge. Il y a déjà un mage rouge. J'ai envie de. Mais. J'ai envie de mettre mage noir du tout. J'ai envie de passer mage bleu, mais je crois que j'ai encore la destruction. Bonsoir, Aida. Bonsoir. Bonsoir. Comment qui va notre lala favori? Alvis, franchement, si tu me la casses cette monture-là, je sais pas ce que je dois faire. Cupid. Alors oui, je rappelle les règles au cas où. Tout le monde fait besoin. Par contre, tout ce qui va être rouleau d'orchestrion, mascotte, les objets pour les montures, c'est priorité aux gens qui ne les ont pas, qui n'ont pas le petit V vert là. Et ceux qui ont déjà, faites cupi. Super. Okay. Mais en soi, tout le monde a le droit de récupérer quelque chose. Juste, on laisse une priorité pour certains objets, pour ceux qui ne l'ont pas, quoi. C'est encore de la place. Histoire que chacun ait les mascottes, que chacun ait les musiques et tout ça. Antonita, toi, tu ne fais jamais besoin. genre. Coucou Yume. Va se calmer l'aspirateur là. Attendez, je vais mettre comme demeure, ça. Toi d'ailleurs, t'as qu'à voler tout seul. Comme ça, on voit le chat. Une nouvelle règle, voilà. Mali. Encore un minute. Oui. Qu'est-ce qu'il va attention, dire? Il va encore dire règle. Je dois passer sur tout, c'est ça? Non. Ouais. Les auras, ils font besoin et les autres font cupi. Voilà. Non. Oh, non. Certainement pas. Les auras, alors, ça va? Certainement non. Pas. Méchant. Ce n'est pas gentil, ça. Il y a une carte. Je suis une aura. C'est pas plus loin? J'ai des doutes. C'est soit plus loin, c'est soit à droite, soit à gauche, mais il n'y a pas de carte. Ouais, c'est plus loin, la carte. C'est la carte de qui, là? Ouais, moi j'ai suivi le tas. Attendez, je vais prendre mon balai magique. Mali, t'as cliqué sur quel lien là? Mais c'est pas moi, hein. Moi j'ai suivi. Hein. J'ai vu les gens partir, non, j'ai suivi. Je sais pas, moi je t'ai suivi donc. Bah, moi normalement, c'est ici la carte. Déjà, il y a des gens. Je suis monté sur le dogo moi. Ah, bah c'est de la faute à les elfes, ils ont rien à dire. J'ai suivi ceux qui étaient là moi. Et moi j'ai suivi comme. C'est quoi ces trucs en mode parce que vous êtes ça, vous devez faire besoin plus que les autres. Hein? Mais moi je suis humain, parti à la fin. Pas notre supériorité. Bah ouais, c'est là. Vas-y, Citrax en premier si tu veux, parce que de toute façon, moi mes cartes en général, c'est pas trop ça. T'as besoin d'un long sabre pour commencer, c'est ça? Non, mais si je peux pas comprendre votre supériorité, mais vous me donnez tout, ainsi je peux atteindre votre supériorité. C'est les elfes qui sont là. Non. I'm greedy. Non, y'a que Tobo qui peut faire besoin. Oh, le phénix. Faudrait déjà qu'il soit là. Ah pardon, non, j'ai pas mis la prédiction, excuse-moi. J'ai oublié la prédiction, merci Yume. Pourquoi il y a autant de monde là d'un coup, à l'aide? J'ai oublié. Parce que les autres andouilles, ils ouvrent leur coffre alors qu'on est en train de taper dans un mob. Vous êtes des andouilles, ils avaient entendu. Les andouilles, les gens. Ignorez les avoirs. Alors attends. Il leur adjuste. Il est là, le coffre. Il est là. Comment ça, il leur adjuste? Il est là. Calmez lui. Je mets la prédiction, hein! Allez, let's go, la prédiction! Voilà. Yes! Déjà, il y a un portail. C'est comme ça qu'on clique, chez Ita. C'est bon, la prédiction est là, vous pouvez balancer. Ça va, espadage, je suis pas en tank, je vais pas faire tourbilol avec le boss. On va sortir salle 1, mais. Moi, je m'en fous, je suis en. Ah merde, mon ATH de Gunpack, il a changé. Moi, j'oublierai pas ton partenaire. Moi, j'ai vu un short de Mr. Happy qui disait à chaque fois on va sortir. Il est arrivé à la 5ème salle avec 4 amus, je crois. Il est là, la passe. Comment ça? Oh, bâtard. Il est là pour les rolls, je sais pas. 4 amus. Ça dépend s'ils sont gentils.
Il avait vraiment pas payé sur l'électricité, Ramu. Ramu, je peux plus le voir en peinture. Hier, j'ai pris 30 minutes à cause de lui. Oh, c'est bon, ça faisait la quatrième fois que je tombais de suite en roulette mentor sur l'extrême. Il y a un moment. C'est pas une question majeure, ça? Si. Tu tags à quelle heure, Citrax? Non, parce que si tu tags à 17h, tu cherches un peu. Non, mais Ramu extrême en mentor, ça, passe, ça vient tout le temps. Hein. De 8h à 1h du mat, tu peux tomber sur Ramu extrême. Alors, il y a un moment. Mais quelle idée! C'est plus fréquent, là, le Ramu. Ils font quoi, les gens, pour taguer ça à cette heure-là? On appelle ça du masochisme. Vous êtes confiant à me laisser en seul île, là. Mais oui. Easy go, fret. Je changerai en guerrier si tu veux. Non. Il y a des non, ça. Ah, y a les dorés. Ça me fait plaisir de rejouer un peu mon heal, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais bon. T'as pas joué tout à l'heure sur le... Y a du raise au pire. Non, j'étais en danseuse. Et je suis en mage blanc depuis je sais pas combien de temps à essayer d'up ce truc à Bosja. Je monte mes médailles à Bosja, du coup je suis en mage blanc. Faire. Ah bah, oui, sur de là. Y'a des y'a une fée encore à buter. Y'a trop de trucs sur mon écran. Je la vois. C'est bon, elle est morte. Ah, je vais sauter dessus. Non, vous tuez pas la mienne, ça va? Oui. On la mange, la tienne. Non, c'est que moi qui la mange. Ah bon, d'accord. Bon, 29, il m'en manque un et je l'aurai toujours. J'y vais plus que toi, c'est le principal. N'hésitez pas. Il y a la... C'est ce qu'il peut tester. Il y a la prédiction sur le stream, n'hésitez pas, si vous voulez des points. S-Trax, mieux d'abord. Après les cartes, on va faire un petit cache-cache pour oui, Halloween, si vous voulez. Oui, on va faire un autre petit cache-cache après les cartes, dans la zone de l'événement. T'as vu, Ori? Oui, j'ai vu. Il regarde la carte, il coupe, il rouvre, mais il l'a mis. Bah alors, oui. Alors, je crois qu'il y a un problème sur YouTube, là, c'est pas possible. Alvis, il y a Aïda qui te demande si tu veux faire du unit après. Oh mais non, j'étais tout à l'heure celui-là. Il est dans des loom rooms. Ah non, c'est bon. Ouais, pourquoi pas. Une couille. C'est bon, c'est pas cassé. Par contre, c'est full lagué. Ça, il t'entend sur le stream du coup. Ok, Aïda, pour du Pokémon Unite, d'accord. C'est le double, hein. J'ai peur. Aïda, sinon, tu sais, tu peux lui envoyer un message privé, hein. Alors oui, je l'ai dans des loom rooms, mais je sais pas le faire ici. Ah, pas d'AWE, pas... Pas d'AWE. Comment on fait, on invoque pour pas perdre d'AWE? Je le vois, le 1, c'est l'oignon. Le 1 est mort. Il est mort, l'oignon. Tapez l'aubergine. Omir. Oh non. Oh, faudra aller au nord. Il est mort. Faudra aller à gauche. Faudra aller en bas. Voilà. Le 3 est mort. Je tape un truc, je sais pas ce que je tape. Tomate, le 4. Ah, j'ai plus. Le 5. C'est bon, on peut faire de la OE. Oui. Mais tag le Aïda. Oh. Oh mon dieu, le dash au pire moment. Oui. Oh, ça va. Je vais mettre une OE dans le fond. Banane. Bonne soirée, Isa. Bonne soirée, merci encore pour le raid. Désolé, hein, les cartes au trésor, c'est toujours un petit peu le bordel vocal et dans le jeu. Exactement. J'ai l'audition qui a pris cher aujourd'hui avec FF15. Je vais aller reposer une petite oreille. Des bisous par ici. Bonne soirée à la fin de chacun. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. La fin d'FF15, ça balance. Ben, la fin. 99. À moi. La fin de FF15, elle est logique, ça c'est tout. Ça vaut plus rien, Anna. À moi. Alors, est-ce que quelqu'un a fait 99? Citrax, ils ont requis. Oui, moi, ok. Je crache, moi. Enfin, j'ai entendu ça surtout. La fin de FF15, elle est logique pour que le jeu lui-même. J'ai un petit temps avant que ma barre revienne parce que j'ai changé de classe. Issa Lyra a dit de faire la fin en version royale. Voilà. Ouais. Ah bah oui. Ouais. La version royale, c'est la fin refaite. Il y a d'autres trucs qui ont été rajoutés. Du coup, elle est meilleure. La version Mass Effect. Oui, la version légendaire. La Mass Effect Legendary Edition, ouais, effectivement. Oh, punaise. Bah, à mon avis, on les faire vite, hein, les reclear. Mais tout à l'heure, c'est ce que je disais à Ori, vous faites un pull, un kill, c'est bon, voilà. Ah, ouais, mais j'en doutais pas avec eux.
Alors je sais pas si je veux pouvoir taper, hein. Je dis ça comme ça. Oui, ils ont douté par contre. Ouais. Pourquoi? Bah, vaut mieux partir défaitiste et avoir une bonne nouvelle que de se dire allez, un poulain kill et on fait la soirée, on n'a pas reclear. Oui. Tu te souviens bien de nous avec Tordane? On s'est dit qu'en combattant, ouais, c'est bon, on a vu l'enrage, ça va se passer. My God. Comment on joue mage rouge déjà? Oui, c'était PU relatif. Regardez pas. C'était PU relatif, nous, malheureusement. Dis donc, Tordane, on s'est dit beaucoup. Allez, je vois des PU. Les healers. Oui, c'est le tigrou de Rika Orthos aussi. Ouais, Sadako, j'ai tanké. On peut l'avoir en monture, je crois. Oh, nice. Mais faut, enfin, oui, on peut l'avoir en monture même. C'est pas compliqué. Mais faut faire Rika Orthos. C'est comme les météores de Zeromus. Si les PU sont nuls, ça passe pas. Moi, j'aurais plus le bras cassé. Je pas tout le combi du jeu en fait. Ok, alors lui il me disait clairement. Pas gentil, Zigrou, pas gentil. Mais c'est parce qu'il veut jouer. Oui, bah. C'est juste qu'il a des grosses patounes, mais c'est pas de sa faute. Bouge pas ni papa t'en veux. Vous avez pas vu la vidéo du lion qui est en train justement de patouner le sol comme les chats? T'as pas trop envie qu'il te patoune la guine Bah oui. J'ai pas vu, mais ça m'étonne pas, ça reste un félin. Ah bah oui, clairement. Ou comme les gros félins qui jouent avec des balles et tout, là, les gros tigres. Ah, c'est vrai que c'est un poisson. C'est marrant. Le croisement tigre et lion. Les tigres et les cartons. Oui aussi. Ils sont foutent dedans, mais ils sont massifs. L'effet est pas le même, quand même. C'est quand tu as un chat qui sort de la boîte, ça va, mais quand t'as un tigre qui sort, je pense que t'as pas la même tête. Il avait qu'à avoir de plus petites pattes. Le pauvre, il a rien demandé, en plus. Bon, bah, du coup, bougez pas, il y a la bielle. C'est pas grave, il y a des soucis. Aïe. Le plus important. Ah, putain. J'ai failli sortir une carte. Mais non, mais pourquoi tu m'ouvres la carte? Ça faut que je refasse mon glam de tank. Ah, il y en a une autre ici. Oui, c'est la mienne. Et celle de Malidoudou. Okay. De toute façon, ça va aller vite. Peut-être que tu m'as donné du coup, mais. C'est pas grave. On va peut-être pas avoir de portrait. Hein. Je refuse d'être responsable s'il y a un portail ou pas. Bah vu que c'est la tienne, il y aura sûrement un portail parce que c'est pas Mali qui l'a récolté. Oui, c'est vrai. Ok, bande de chacal. Elle le dit elle-même. Oui. Ouais, elle le dit elle-même. En général, mes cartes sont rapides. Chaque fois que j'arrive sur le stream, on entend dire « Ouais, c'est ma carte, c'est normal, ça va aller vite. » Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que les rares fois où j'ai un portail, bah, j'ai pas l'habitude de... Les gens, ils attendent. Personne active la carte, j'ai « Ah merde, c'est ma carte !» J'ai tellement pas l'habitude. Si ça passe, c'est grâce à... Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça va aider, hein. Merci. On remballe tout. Je sais pas quoi dire. Suivant. La mienne, du coup. Bah, la plus proche, je pense, de là où on est. Bah, en diagonale, c'est juste en dessous du donjon. La mienne, elle est... Elle est de l'autre côté de la map. La mienne, elle est sur le chemin. On va prendre le TP, hein. Ouais, bah on fait ça. Ah oui, il y a celle de Sadako juste avant. Ouais, il y a la mienne. Ah. Où ça? Bah juste à mi-chemin. Ouais. Juste au nord, là. J'avais pas celle de Sadako. Ah si, là. Juste au nord, vraiment juste au nord. Puis au nord. Oh, l'avatar, il est tout petit. Bah du coup, vous êtes tous TP, mais pour rien. Bah, moi, ouais. Je me suis pas TP, moi. Moi, gratuit, donc... Moi je suis sur mon dogo et je pense que je vais aller récolter ma carte aussi vu que c'est à côté. Follow me. Wait, what the fuck? Pourquoi ma carte elle a changé de place? New card. Ah voilà. Non, j'ai perdu quelqu'un au passage là. Techniquement, ah ma deuxième sera là. Ma deuxième aussi elle est là. Où tu te trouves ça d'accord? Attendez. Yes. Est-ce que du coup. Parce que là, je crois que tout le monde est parti partout. Chita, la mienne est sur l'île là à gauche. Alors, on va y aller. On va y aller après. On fait dans l'ordre des. On va faire le tour. Il y a du monde. Oui, il y a du monde. Il y a toujours du monde en Est-ce que c'est grave? Non.
Oh, c'est vrai, il faut que je sorte mon compagnon. Bah oui. Oui. Moi, je crois qu'il est niveau max normalement. Ouais, il est niveau max. J'adore quand même sur le Cerber que tu pointes du doigt. Regardez, je lui ai mis son costume aussi à mon chocobal. Excusez-moi, du bordel. J'ai mis son costume à mon chocobal. Chocobo. Parce qu'il y a plein de chocobos, plein de mobs. De, du coup, ça va être compliqué, donc on va attendre un peu. Il y a... Non, mais vas-y, lance-le, c'est pas grave. Il y a un, comment s'appelle, tous ces chocobos. Oh, Citrax, t'es obligé de montrer ta... Il y a un mandragore pourri, là. Bah oui. Elle est moisissante. Oui, c'est à nous, celui-là. Ça se récupère avec les machins, de... les avoirs de... C'est celle des mâles. Ah, c'est les nôtres, ça. Ok. Oui, oui, c'est les nôtres, celui-là. Plus de chances de choper les montures dans les mâles surprises que de les acheter directement. Ça y va beaucoup plus vite. Oui et non. Ça dépend, je crois. Ça dépend. En fait, il y en a une déjà qui est exclusive aux mâles surprises. Donc, il y en a un choix. Et l'autre, il te faut 29 semaines pour l'avoir. Sur l'île ? Ouais. Ah, celle où il faut 200 machins et tout, là ? Ça peut se trouver dans les mâles, c'est ça ? Et elle est à 1% de drop dans les mâles. Ok. C'est toi qui vois. Tu veux tenter ta chance ou pas? Ah, parce que moi j'étais en train d'économiser et tout comme une débile, hein! Dans tous les cas, faudra que t'achètes des mâles parce que le. Fuck! Le problème c'est que j'économise, mais j'ai acheté des avoirs! Ouais. Oui, mais tu peux acheter celle que j'ai là, par exemple. Avant que tout le monde s'en aille, je crois qu'il y en a quelques-unes ici. Oui. Ouais, il y en a d'autres endroit. Ici. Moi je l'amène ici et il y en avait quelqu'un d'autre qui avait dit auprès de Sadako, je crois. Juste... placer mon fond, je cherche la carte. Donc qui c'est qui doit faire ici? Personne, à part moi. Ah, ouch. Alvis, ton micro est fait des siennes encore. Ma deuxième carte, elle est au même endroit que ma première carte. Lol. Voilà. Lol. Alvis, ton micro, il fait des siennes encore. Ah oui, c'est les nôtres. Ils vont prévenir, mais après. Je vais marcher sous la puce maintenant. Qu'est-ce que tu fais, Rina? Ah non, mais Rina! Ah, c'est pas vrai! Eh, vous êtes passé de moi là, vous deux là! Tiens, Rina, vas-y, va sur ton étagère et fous-moi la paix! Voilà, c'est toi là! Arrête de faire chier! D'accord. C'est quoi ces gens qui se font emmerder par leur chat là? Mais non, mais. Viens, c'est chiant! Non, mais alors, parce que. J'ai deux chats, d'accord? J'ai deux chats qui aiment bien aller sur l'étagère derrière ma chaise de bureau. J'ai le chat numéro 1. J'ai le chat numéro 1 qui a Riku le gros sac. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monte sur le carton sous la fenêtre pour ensuite monter sur le chauffage qui est à côté de la fenêtre pour ensuite aller sur l'étagère. Pas de soucis. Rina. Elle a décidé qu'elle sautait sur la tête de ma chaise et qu'elle faisait un giga jump entre ma chaise et le meuble. Elle décide de se mettre à côté. Sauf que quand elle se rate pour le retour, parce que pour le retour aussi elle fait ça, du coup, bah si elle se rate sur moi. Blah. Du coup, elle se rate sur moi avec les griffes. Ah. Ouh, la griffe. Ah, ouh. Là, ça va qu'il fait froid, que je remets mon gilet et tout, mais en été. Moi j'ai le chat qui vient à chaque fois à côté, puis il tourne autour du siège, puis il se remet sur la jambe, et puis il retourne autour du siège. Puis il lâche une caisse. Non, moi, j'ai Clément, il a des problèmes de digestion, ton chat. Non, je sais pas, ça a l'air d'être une marque d'affection. Aïe, le temps qu'il était pas prêt, désolé, je pensais que... Non, c'est pas grave, t'inquiète. Désolé. C'est l'idée de l'avoir mis derrière toi aussi. Bah, je mets l'étagère où je peux, Ida. Je mets là où il y a de la place. Hein. J'habite pas dans un château. Hein. Tu devrais. Bah, j'aimerais bien, oui. C'est vrai que c'est beau, là. Si j'ai pas le nettoyer, je veux bien, moi. Mais encore. Va-t'en. Il y a deux verres, j'ai l'impression. C'est vrai qu'ils sont emmerdés par le boss. C'est un chat, quoi. C'est maléfique. Mais non, c'est juste, elle aime bien l'aventure, le parce danger. Que Marie n'a pas envie de les hit, hein, alors qu'il faudrait hit ces chats. Non, je hit pas mes chats. J'en ai quatre et je les hit toujours. Ils hit tout seul entre eux, t'as pas besoin d'aide.
Il faut lui dire que le Giga Jump a un cooldown de 2 heures et qu'il faut un autre skill. Mais le problème, c'est qu'elle le fait déjà, en fait. Et qu'elle va dormir pendant 2 heures sur l'étagère. Et puis au bout de 2 heures, sans prévenir, bah, elle va revenir. Non, mais elle a un passif spécial qui lui permet de faire deux autant qu'elle veut. Non, mais en plus, vu qu'elle a plus sa collerette ni son donut, bah, elle est contente, quoi. Libérée. C'est ça. Libérée. Elle fait la foufolle. Ouais. Ça va, ils sont pas vraiment maltraités, méchants. De toute façon, ça aurait été trop beau de tomber sur la mascotte. Bah oui. C'est pas impossible, après. Ah, je l'ai vu une fois, en 10 à 5. On l'a vu deux fois avec papy. Et deux en fois, c'était la carte de papy. Deux fois, ouais. Ouais, ah. Je sais pour ça. Et il a eu tellement de chance qu'il a pas eu les mascottes. Ouais, bah oui. Bah, il a eu quand même une mascotte aussi. Hein. Moi je l'ai volé la mascotte. Bah je l'ai vendu en fait. Toi et toi tu l'as revendu, t'es rien. J'ai mis pourquoi t'es là toi pourquoi ça aurait été mon mascotte qui roule. Qui t'a dit de venir, dégage. Il y a une femme qui a des stacks de faire chier mon humain, c'est ça. Non. Non, c'est juste que c'est la chasseuse Rina en fait. Du coup, c'est que quand c'est le gros. Du coup, elle aime bien sauter ouais, partout. C'est... Ah, bon. Bleh. Bleh. Il veut se prendre un tremblement de terre. Je peux le faire sur le gratuit. Tiens, voilà un tremblement de terre. Oh non, mais il est sérieux, tu peux pas viser à côté. Aïe. C'est rien passé. Mais tiens, le brocoli, voilà. Casse-toi. Le brocoli. Le brocoli. Un gros brocoli. Ah, le gros coli. Non, un gros brocoli. D'accord. Rodrigo, gros coli. J'ai fait 18. Je vais mettre un petit message. Moi, c'est ma carte fait 22. Gne 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 quand même. De toute façon, ça va arriver à côté. Ouais. Voilà. Ramu, du pruneau. Mais Ramu, il n'existait pas à cette époque-là. Il est tellement dégueulasse. Bah, techniquement, si, mais peut-être pas sous cette forme. Ah, bah tu vois, ça fonctionne. Voilà. Ramu, est-ce qu'il existe ? Ah, il était pas content que tu renies son existence, du coup, il a fait « et ». Bah, techniquement, non, parce que c'est un primordial. Il a l'air tellement débile, ce point. Oui, mais il y avait peut-être un monstre du même genre. Ou alors une personne du même genre. Oui, voilà. Ça aussi, ça peut fonctionner. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Ramu. Oui, voilà. C'est une électricité. L'ancien Ramu. Genre le quatrième, peut-être. T'es juste un Pokémon. Un immense poisson. Le quatrième du conseil, peut-être. On connaît pas. Pourquoi le quatrième du conseil, hein. C'est pas qui c'est. On connaît pas grand monde du conseil. Oui, bah oui. Bah, on en a tué la moitié. Oui. Ouais, non, je suis bloqué. Moi, je dis un chiffre au pif, mais bon. On les connaît pas tous, en tout cas. Il y en a deux dans la bulle. Il est dans la bubule. Ah, ouais, dans la bulle. Alors, c'est pas ça la mécanique, mais... Oui, on peut être à deux dans la même. Il faut aller dans la bulle. On peut être à plusieurs dans la même. Quelqu'un veut une partie. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais ramus. Oh mon dieu. Oh putain. Oh putain. C'est bien cette situation de ramus. Que pensez-vous de la situation du ramus? Tu sais, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oui, non. C'est ça. Non. La fais pas. Elle est pas avec qui t'es. Généralement, certaines personnes t'as que des mauvaises situations. Ouais, putain. Les rêves. Ramu, dans FF, Ramu est souvent représenté comme un primordial bienveillant. Un vieux. Bienveillant bah, c'est un vieux. C'est quand même le envoie qui une bonne rasade de foudre dans la tête. C'est quand même le seul qui accepte de sa barbe. Le bas de partir tranquillement. Quoi. Et this barbe. Il n'y avait pas déjà Ifrit à l'époque. Mais lui aussi, je l'ai pété tout à l'heure. Bah, c'est ça le truc, c'est que je pense que en termes d'apparence. Devait exister des trucs du même genre. Ok. Bah, Ifrit et tout Ifrit, ça. Ifrit, il a l'apparence d'une sauterelle. Il a la forme de Bojack, j'ai l'impression. Bah oui, j'ai fait DRS cet après-midi. Ah, elle a chopé le Oui. Le serveur. Un jour. T'as remarqué que je me balade avec un serveur tout à l'heure.
Un jour, quand j'aurai plus de bras cassés, j'irai faire DRS et j'irai faire. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes en train de plein de trucs. On est ici. Bah du coup, en fait, j'ai monté mes derniers rangs de Bosja, j'ai fait le Dalriada, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait prendre 6 niveaux à mon mage blanc. Ça va. Nice. C'est pas mal. Et j'ai tombé le DRS tout à l'heure. Mais ça dit qu'au normal. Si j'avais su que tu ferais Dalriada, je t'aurais accompagné. Ah, moi j'étais pas toute seule. Bien. Il y a moi, toujours un vieux dans l'histoire, c'est pour le côté mystérieux. Les gens qui disaient, faut pas faire Dalriada pour tuer vos personnages parce que ça sert à rien. De quoi? Faut pas quoi? Ça met des ressources, ça met des points de résistance. Non, c'est qu'à un moment, je sais plus c'était qui avait dit ça. Il faut aller pas faire Dalriada parce que c'était inutile pour XP, mais c'est ça qu'on avait dit à l'époque. Du coup, personne ne le faisait et on. Bah. Alors, c'est pas rentable pour les médailles si les gens ils y vont pas préparer. C'est en fait. Non, c'était rentable, à l'époque à la sortie d'Endwalker pour l'XP de Sage et Reaper. Oui, bah c'est parce que c'était pas. En fait, c'était pas. Oui, mais le problème c'est que quand tu dis ça, maintenant personne n'y allait dessus. Donc c'est un peu débile de dire ça. Non, en fait, c'est pas rentable si tu. Si Trax commence pas. Non mais. Mais laissez-le parler. Laissez-moi finir en fait. Si tu vas sans potions, sans action, etc. C'est pas rentable, tu mets plus de temps à le faire que de faire des aléas. Si t'as les potions, etc., oui, c'est plus rentable. En fait, tout dépend de la préparation avec laquelle tu vas y aller. Oui. Si tu fais un farm bien préparé avec plusieurs personnes, mais... tu peux vite enchaîner et du coup, vite le faire. Alors, gagner sur le stream, c'est pas une question de faire Dalriada pour XP, c'est une question de le faire. C'est parce que si jamais tu XP et que tu récupères des trucs pour faire autre chose, bah tu peux pas y aller parce que personne n'y va, parce que quelqu'un a dit quelque part sur un stream, c'est pas rentable de le faire tout court. En fait, c'est ça le problème, oui. C'est qu'il y a des gens qui ont décidé qu'un truc n'était pas rentable et à cause de ça, les gens ne le faisaient plus. Bah, je me souviens même au début, hein, moi je l'ai fait une fois Dalriada parce que les autres fois, il n'y avait jamais personne en fait. Les gens n'y allaient pas. Les gens ne voulaient pas aller le refaire parce que c'est toujours un festival. Bah pourtant moi je l'ai trouvé relativement simple en fait et, mais bon malheureusement j'ai pas pu y retourner parce que on va au donjon. Le genre enfin, juste devant le donjon. Bah, on était censé y aller et il y a eu un arrêt pour les cartes au milieu. Putain. Disons que c'est un peu bête d'aller ailleurs alors qu'il est au même endroit. Après, dans tous les cas, si on va à Bosja et à Zadnor pour XP une classe, et uniquement pour XP une classe, hein, je précise, hein, pas pour les médailles, vraiment juste pour PEX, je pense qu'il y a plus rapide juste de farm les aléas. Surtout que ça pop assez rapidement. Oui, juste pour XP la classe, voilà. Le Dalriada est trop. Après, voilà, c'est pour les médailles, tout le machin et après, tout. Après, tu fais d'une pierre plusieurs coups. Hein, oui, tu bah oui. Bah, c'est ça le but. Tu farmes tes médailles. Tu cherches tes notes et compagnie. Hein. Bah, c'est ça, si ça dépend. Chose, c'est mieux de faire plusieurs choses. Quoi. Ça dépend ce que tu targetes. Oui, c'est ça. En soi, moi personnellement, quand j'allais XP une classe à Bosja ou à Zadnor, bah, si jamais il y avait Castrum qui popait, bah, ça faisait une petite pause en fait entre plein de fermes d'alias, ça faisait une pause. Quoi. Ça permettait aussi de changer un peu. Après, moi quand je vous dis ça, c'est la meilleure sortie d'Endwalker, donc ça date. Hein. Oui, mais justement, j'en faisais aussi. Les gens aussi, ils y allaient, mais ils y allaient vraiment à la zone. Ça prenait 50 ans, donc oui, c'était pas rentable. Je confirme, parce que quand tu fais le serpent de mer à Zadnor en solo, parce que les gens savent pas le faire, c'est long. Mais c'est ça le problème, Banner 4, c'est que même moi, des loups-brumes, tu vois, bah, j'aimais bien. Quand il est sorti, j'aimais bien. En vrai, c'est sympa, la musique, elle est sympa. Merde. Je vais devoir faire un passage à Edilé, faut que je vide mes poétiques. Pas de soucis. Non. Je me rappelle aussi ce qui s'est passé avec la sortie d'Endwalker. Telubrum, les gens ne vont plus dessus, ou en petite quantité, et du coup ils ont du mal. Oui. Et je sais que Jenny et Ryu voulaient le faire à un moment pour récupérer les derniers trucs de leur relique. Ils ont été là-bas, ils sont tombés sur 3 personnes avec eux, donc ils étaient 5. Ils ont pas passé le premier boss. Je les ai rejoints après, on est retombé sur le même nombre, 5 personnes. Mais une fois que tu sais ce qui se passe, et les boosts que tu as quand on est en sous-effectif, bah, ça peut passer, c'est juste un peu long. Oui. Mais c'est dommage. Oui, il faut connaître s'adapte le nombre de personnes qu'il y a. Donc, Mais c'est dommage parce que bah, des Loubroom et Castrum, en vrai, c'est sympa de temps en temps à faire. Ça reste des raids hein, quand même, avec plusieurs boss, c'est avec des petites mécaniques. Ah, regardez, c'est Sadabro.
C'est des loups-brumes que Chroma. Non, c'est lequel? Non, je crois que c'est. Donc, bah, finis ta phrase déjà, peut-être que je pourrais. Que Chroma avait fait avec deux autres personnes. Ah, c'est Dalriada, je crois. Dalriada, ouais. Il me semble. Il me semble aussi. Tu sais qu'il m'avait dit quoi, qu'il l'avait fait, ils étaient très très peu, il l'avait fait tranquillement. Il avait tombé à 3. Ouais, il me semble que c'est Dalriada. Tu as passé le premier boss? Oui, tu peux. Ok. Ouais, tu peux. Ouais, parce que en fait, tu peux même le faire. Effectivement, le premier boss, tu peux le faire à deux, un de chaque côté, et ça passe. Ah, parce que je sais bien que la dernière fois que je l'avais fait avec les gens. Même je l'avais fait avec Chroma, hein, Dalriada à l'époque, justement. C'est lui qui m'avait. Il m'avait accompagné. En fait, on en revient toujours au même, ça dépend comment les gens arrivent à préparer sur le truc. Ouais, parce que y a un des healers de ma team, moi, où j'aurais m'arraché les oreilles. Hein. Mon jeu était un peu trop fort. Première salle, le heal pas. Voilà, mais il y en a. C'est vraiment frustrant pour un main healer de voir à quel point les heals ne soignent plus en ce moment. C'est depuis plusieurs mois, depuis un peu trop longtemps, parce que le problème, c'est que t'as les main healers qui font leur job correctement, mais comme la majorité des randoms ne font rien, et ben on s'en prend plein la gueule dès qu'on fait une erreur, en fait. Ouais, et les main healers lâchent leur heal, parce qu'on en a marre. L'autre jour, j'ai voulu faire un petit peu zéro. En extrême. J'ai rejoint une PF, j'étais en sage. Ok, j'ai rejoint une PF. Donc déjà, j'ai proposé aux mages blancs qui prennent la position qu'ils voulaient. Je m'adapte, pas de soucis. Sur le premier et deuxième pool, j'ai fait une erreur. Parce que déjà, j'étais pas habitué à être en H2. Et je me suis retrouvée avec la OE bleue avec le. Je me suis retrouvée avec la OE bleue sur la tête, ce que je n'avais jamais eu jusqu'à maintenant. Donc sur le coup, j'ai un peu paniqué et j'ai bougé un peu en retard. Mais en soi, je l'ai quand même placée et j'ai tué personne. J'ai juste. Moi, je suis morte, mais sinon, j'ai tué personne d'autre. Tu vois? Mais c'est tout! Oui, puis ça, c'est pas une mécanique de healer, la DFA. Bah. J'avoue que oui, j'ai pas compris pourquoi je l'ai eu sur la gueule, je m'y attendais pas. Donc. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut l'avoir. Oui, je l'avais jamais eu. C'est pas lié à un rôle en particulier, donc. Ouais, c'est juste que je l'avais jamais eu. Et tu vois, je l'ai dit, désolé, je l'ai jamais eu avant, enfin, c'est la première fois que je l'ai. Mais dans tout le cas, je me suis tué que moi, j'ai tué personne d'autre, en soi, et on n'a pas wipe. C'est juste moi qui suis mort. Son co-heal pouvait te grappe aussi pour te sauver. Hein. Oui, aussi. Mais son co-heal était inutile. Et en fait, voilà. Et en fait, le problème, c'est que déjà, ne serait-ce que le 1 HP au début, j'étais obligée de faire deux sorts supplémentaires en sage parce que le mage blanc ne soignait pas assez. Du coup, ça remontait pas tout le monde assez vite. Du coup, on risquait de mourir. Donc, j'étais déjà obligée de claquer deux sorts supplémentaires pour compenser. Et j'étais obligée de faire ça, c'est juste les multiples chairs, là. Mais Undo, il a eu le même problème. Je devais tout claquer et à la fin, à un moment, le deuxième cher multiple, on est mort. On est tous morts parce qu'il n'y avait pas assez de heal. Et ouais, vous savez ce qui s'est passé? On m'a kick. On m'a kick moi alors que j'ai claqué mon pneumac, j'ai claqué mes instants, que j'ai refoutu des shields pour essayer de tenir tant bien que mal. Et le mage blanc. Qu'est-ce qu'il faisait? Bah apparemment rien parce que on n'a pas tenu. Moi en ça, je suis désolée, mais et en plus. Non mais même en fait en soi, je pense que s'il y avait eu assez de mythique de la part des DPS et tout, j'aurais peut-être pu tenir. Mais je pense qu'il y a eu zéro mythique dessus aussi et on n'a clairement pas tenu. Et je me suis fait kick. J'ai MP le gars. Je dis écoute, je suis désolée, mais j'ai fait ce que je pouvais. J'ai claqué tous les soins que j'avais. Mais là clairement. Clairement, le mage blanc n'a pas soigné assez. Je lui ai dit. Mais bon, ils m'ont quand même kick et il a jamais répondu, évidemment. Mais ça, c'est... Bah, parce que le mage blanc, c'était son pote. Je l'ai fait une fois. C'est frustrant. Je veux dire, moi, en tant que sage, je le vois bien. Hein, si mon co-heal, il soigne bien ou pas. Hein, je le vois tout de suite. Hein. Il se touche. Et quand je dis que je le vois dans le jeu. Il n'y a pas besoin de logiciel tierce ou quoi pour le voir. Hein, ça se voit au PV des gens. Ah, c'est pourquoi ça? Les pyjamas. Ouais. Ouais. Et c'est frustrant parce que toi t'es là, t'essayes de bien faire ton job et tout. T'es censé pouvoir compter sur ton co-heal mage blanc qui est littéralement du pur heal et il soignait pas. Bah Ando et... J'aime pas ton chat. Il est arrivé la même chose à Ando. Ah mince. Je suis sûr que j'ai zéro bus. Comme toi.
Ando était en sage, et le Coil, pareil, il est pas. Moi, j'étais en vocal avec lui, j'ai dit, mais si tu veux, peu il. Bah et oui. Du coup, je suis mis en heal et du coup, on était en vocal et c'était beaucoup plus confortable. Et puis, il sentait très bien la différence. Ouais, en fait, faut être. Le problème, c'est que le heal sur ce fight est très sous-estimé. Bah, en fait, le problème sur le problème surtout, c'est que je sais plus s'il avait mis son tintanabule ou quoi, mais dans tous les cas, s'il a mis son tintanabule, il a mis que ça et rien d'autre. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de mythique derrière. Faut deux sorts. Ça suffit pas. Faut deux sorts pour le Nox. Même en mage blanc, faut deux sorts. Moi, je. Non, pas le Nox, le Nox. Non, si c'est le cher. Le cher multiple, là. Le big laser, là. Sur lui. J'étais spectateur de Mali de ça, et oui, effectivement, il n'y avait aucun heal là-dessus. Il n'y avait rien du tout. Et en plus, je pense clairement qu'il n'y avait pas de mythique, parce que vraiment, on a pris beaucoup trop cher. Parce que moi, j'ai tout mis. Mitige bleu. J'ai mis mon Panaima, j'ai mis ma régène, ma double régène. J'ai fait mes gros soins avec Zoé. Et j'avais plus rien, en fait. J'avais tellement plus rien. Et je voyais bien qu'il n'y avait rien qui remontait, en fait. Donc, c'était une Mali combi était seule de. À travailler sur le up de PV, quoi. Et l'autre, il était. Je voyais même pas un chatoiement, si je pense bien. Mm. Donc, il était même pas en train de DPS, il était en train de se la toucher. C'est frustrant. Parce qu'après on dit que les sages ils soignent pas, après on dit gna gna gna, je suis désolée hein, mais. Moi je dis gna gna gna, je suis une micote. C'est pas tranquille. Mais j'ai plein de personnes qui jouent sage autour de moi. Je le vois très bien que le sage ça heal. Ah oui, ça heal. C'est juste un crétin. Ça heal très bien, même. C'est sûr qu'un glas, il va clairement avoir. En fait, imagine, sur Seed, sur Orbonne, le glas, le problème, c'est que j'ai pas. En sage, t'as pas le pneuma. Donc, clairement, si t'es tout seul à remonter le glas, il y a des chances que ça passe pas. En sage. Parce que t'as des gros soins, mais si t'as pas le pneuma, c'est compliqué. Mais là, clairement, sur Zeromus, c'est le truc qui arrive avec quand t'as pas tous tes sorts. Bah, c'est ça. Normal. Mais Zeromus, clairement, les chairs multiples, c'est clairement fait pour être soigné par les deux heals plus de la mythique. S'il y a un heal qui soigne et pas de mythique, c'est même pas la peine. Et c'est ce qui s'est passé, on est tous morts en même temps. Le multi-heal, le premier, tu peux le solo. C'est le deuxième. Oui, le premier, ça va, mais ouais, le deux. Bah, à condition qu'il y ait quand même un peu de mythique, quoi. Le premier en sage, tu mets le Panaima, le. Oui. Mais pour les deux, j'ai mon Panaima, de toute façon. Pour les deux, j'ai mon Panaima, c'est ça, donc. Ouais, c'est ça. J'ai pas. Ah voilà. Si, j'ai corrigé, j'allais dire j'ai pas corrigé, mais si, c'est bon, j'ai corrigé. J'ai pas pris de risque, j'ai pas mis le prix dans le message, j'ai dit allez voir sur Ko-fi, démerdez-vous. Merci pour la commande, c'est d'accord. Et re-acquis du coup. De rien. Et c'est tout à fait normal parce que j'apprécie vraiment le travail de Aki. Oui. Vous voyez les petites chimies de Sadako ? Eh bien, c'est Aki qui l'a fait. Mais merde, je sens plus. Oh, que miège. Sachant qu'il va probablement dire ouais, mais faudrait que je le mette à jour. Hein ? Note que le. Que le Ron du se prononce avec des A pour une micote. Hein, quoi ? Non, j'ai dit gna 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 gna. J'ai pas. J'y ai pensé. C'est l'accent, c'est ça. J'ai aucun problème avec toi quand je venais en mage blanc sur Ultima. Au contraire, tu m'as même guidé à la perf. Non, mais en fait, c'est ça qui est frustrant parce que en mage blanc. Même si tu t'es pas bien préparé à soigner un gros Redbuster, t'as tellement d'instants maintenant que tu peux quand même soigner correctement. Alvis ? Franchement, oui. Tu peux. T'avais pas les ailes ? Bah, en fait, je vais te les passer après parce que il s'avère que je les avais, sinon je me suis trompé. Il y a une flèche verte dessus si tu les as ou pas. Il me semblait que tu les avais, sans les avais tous récupérés. Ouais, c'est pour ça que je l'ai. Au début des cartes. Pour ça, ça m'étonne. Non, je te les passe. C'est pas grave, hein, ça s'échange. Hein. Au pire, ça s'échange. C'est pour ceux qui n'ont pas. Qui l'ont pas. Tout le monde ici a les ailes.
Oui. Enfin, moi j'ai. Tu fais quoi de beau à qui? Bah, si personne d'autre le dit, sauf ça. Le son est autant distordu sur ton stream, je vois pas d'où vient le problème. Ah bon? Ouais, de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais j'ai l'impression que ça venait que de moi, puisque personne s'en plaignait. Non, mais si, je... Alors, j'ai le même problème sur certains streams Twitch aussi. Et je sais pas non plus d'où ça vient. Bah, du coup, c'est Twitch. Je pense que c'est Twitch. Voilà. Je pense que c'est Twitch, que j'ai le même problème sur certains streams. Si t'as ça sur certains sur d'autres streams, c'est que c'est Twitch. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi les critères pour avoir le son distordu. Oubliez y a des pas fées. Qu'il y a des fées. Ouais, voilà, il est fait. Il y a des tigrous. Il y a des tigrous partout. Ah, mais les tigrous, je m'en occupe, ça, s'il n'y a pas de soucis. Il y en a un qui est tout seul là. C'est une de devoir taper des fées. Un fée est mort. Pas une, je sais pas si on a une autre. Il y a au moins deux fées mortes. Ce n'est que les ancêtres de tes. Bah oui, mais je veux pas taper les ancêtres d'Eos. Je précise juste, Maïdou, que c'est une référence à Prunel du Shiji, la gaffe. Ah! Pour le coup, désolé. Pour la tête qu'ils ont, ce serait plus l'ancêtre de Séraphine. Mais c'est les tigrous. Au moment où tu veux Séraphin, je peux le mettre aussi, hein, y'a pas de problème. Ouais. Boum. Ah, le coffre là. De l'argent. Plein d'argent. Surtout que j'ai donné de l'argent tout à l'heure. Faut que je les récupère. Urée. La bande terre qui se remplit. Oui. Non mais t'inquiète, tu... Non, il n'y a pas de commande pognon, Eda. Oui, Capitaine Crabe. Oui, je suis vraiment désolée. Mais je baille tout le temps. Hein. Oui, ça, c'est depuis que je stream, Yume, qui est là depuis le tout début, le sait. Je baille tout le temps, du matin au soir. Je suis vraiment désolée. C'est pas du tout une preuve d'ennui. C'est juste la fatigue. C'est le truc goldé, c'est tout. C'est vraiment juste la fatigue. Je suis tout le temps fatiguée, en fait. Ouais, ça fait juste se spawner ça automatiquement. Donc c'est pas... C'est pour ça qu'il y a une émote. Ouais, mais c'est mieux que le. Il y a une émote Mali Dubaï. Attendez, je m'hydrate. C'est sûr. Tout est mieux que le portail, de toute façon. Mais en soi, la sortie, s'il disparaît à cause de Ramus, c'est automatiquement une case dorée. Non. 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 C'est normalement, si. Non. C'est que le dernier. C'est automatiquement... Pas sûr. Il y a plein de fées. Faut les dépecer. Le nombre de fées qui n'a pas été tapé. Merci Eda, je suis en train de m'hydrater justement. Hunter, là, on se calme. Ah bon? C'est qui a pas été. Bon, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. J'ai pas parlé de ta fée, t'inquiète pas. On ne dépece pas dans FF14, Mali. Si. Et pourquoi pas, Dan? Il y a un fight où on dépece. Ah ouais? Oui. Ouais, le Rapalos. Oui. Et lui, il compte pas. Bah, comment ça, il compte pas? On lui coupe la queue aussi. Aïe! Je meurs! Non, non. Je me meurs! Je meurs en silence. Non, je me défaillis. Super. Mali. Moi, je l'ai toujours pas, ce truc-là. Oui. C'est quoi, ce? Moi, je me suis ici que pour soigner Sadako. T'as fait combien à Citrax? J'ai reste match. Donc, je réponds. Ouais. Donc, t'as un choix. J'ai pas dépassé le 40 sur n'importe quel rôle. Attendez, c'est vrai, je l'ai eu avec un 69. Approuve, c'est que ce n'est pas une contrefaçon lorsqu'il y a bâillement, et on est même à s'inquiéter de la santé de Maïdoudou s'il n'y a pas de bâillement. Oui, c'est ça. Non, mais véridique, je l'ai eu avec mettre un 69. Mettre ça comme commande argent alors. Mmh. Ah, attends. Si c'est ça que je vois. Ah, j'ai une pub là. Non. Si, c'est oh, non, logique. Non, mais c'était logique ça. Attends, oh, qu'est-ce que tu m'as cool. envoyé? Ramu, il y a des pruneaux. Mais pourquoi des pruneaux? Parce que c'est pour les papis. Vas-y, là, les jeux de ces morts, là. Le cliché. Il n'y a pas que pour les papis. Voilà. Bon, ah, mais... ah, bah tu vois, en plus, ça fonctionne. C'est quoi? Je comprends pas. Le loyer, c'est facile. Ah, que pour la thune. Oh non, on va se faire chier. Mais c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats. Pas mal, pas mal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah non, pas les légumes! Il y a un lui qui se fait tabasser là, ouf! Ah, ça va être chaud! Bah, il va mourir, tiens! Je fais pas loin! Eh bah non!
Parce qu'il a deux healers. Il a non, deux healers attends. Shield. les bouclards qu'il a eu à lui. Ok, c'est bon. Oignon, oignon, oignon. Bon, on oignon. On va laisser Alvis tanker en soi. Ouais, pour l'instant, c'est mort. Oignon est mort, il faut taper l'aubergine. Je suis déjà sur la ligne. Ah, j'arrive pas à choper le est mort. C'est bon, je l'ai. Fais 3. Aïe. Fais 3 aussi. Aïe. Tomate. La tomate. Et le 5. C'est bon, PAOE. Pas mal du tout. Je vais y réfléchir, en vrai ça pourrait être marrant, même si à part pour les cartes, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'occasion d'utiliser ce genre de commande. La il musique. M'a visé, m'a bien je attaqué. Pense que le mieux ce serait celle-là. Ah. Je l'ai vu passer sur notre site, ça m'a fait marrant. Ah je mais oui, c'est connu ça. Je suis à l'aise financièrement. C'est connu ça. Alors du coup pour les plumes il en faut 3 pour la monture. Donc ceux qui ont la monture faites cupi. Il n'a pas la monture. C'est quelle monture ça? Non mais de toute façon c'est Sadako là celle-là. Il y a d'autres coffres. Les plumes. Oui, il y a un autre coffre. Ouais c'est celle-là. Ceux qui ont déjà la monture faites cupi sur la plume. Ceux qui n'ont pas la monture faites besoin. Il y a un coffre. Il y a un deuxième coffre. Il y a un coffre. Punaise, Alvis. J'ai fait 12. J'ai pas dépassé une seule fois, 40. Enfin j'étais bien parti, j'avais fait 84. Oh, et je te déteste. Bah, tout à l'heure, j'ai fait un 98 et j'ai pas eu un. Sur un tissu. Rare fois où j'ai des bons loot là. Des bons rolls, pardon. Parce que du coup, j'ai pas de doute. Une chance sur deux. Non, mais je vais venir avec la bunny girl. Hein. Non. Tu ranges la bunny girl. Pourquoi ? Elle ne compte pas la bunny girl. Il y a un passif avec la bunny girl. Parce que si tu te ramènes en bunny girl, c'est un aspirateur girl, à loot. C'est la patte de lapin, ça. Yes. Donc, l'autre fois, je l'ai sorti en sadique, j'ai pris tous les loots. Ah, tu peux le parce que je pourrais le prendre au pied de la lettre et lui couper le pied. Moi, j'ai envie de dire, vous pouvez la brouiller la prochaine fois. Du rapin brisé. Le vol de loot en sadique. Du lapin brisé. Un petit lapin brisé, là. Oui, loot. Un loot. Je prends ma seconde carte pour voir où elle est. Oui. Pendant un très long moment sur le progrès, bah, en fait, ma bunny était mieux stuff que mon Aura. On en est où, là? Maudit Vira. Ils ont des pattes de lapin en standard. Oui. J'ouvre ma deuxième carte, ça vous ennuie pas? Ah non. Bah non, ouais, j'ai fait une séparation justement, donc tu peux mettre. Hein. Ah, t'inquiète. Ma deuxième carte est ici. Elle est ici. Bah s'il y a une carte ici, ouvre-la. Lol. Ah bah. Trax et Anna sont au même endroit. J'aime bien ma troisième carte au même endroit que la première. Bah ma deuxième au même endroit que la première aussi. D'ailleurs, au passage, moi j'avais pas mis la. Allez, venez. C'est fou. Tu sais qui c'est TP? Mais pourquoi on mais... TP? Mais. Il y a une carte là. J'ai littéralement clic par réflexe, je ne sais pas pourquoi. Oui, moi aussi. Ouais, c'est ça. C'était un bait. C'était un bait. Désolé. Voilà, il n'y a pas de coffre, on n'a rien vu. C'est ma bait. Qui n'a pas les ailes d'archange? D'archange. Archange Vesa. On les a tous. Hein, ça ouais, je pense que nous on les a. Moi en général, je fais Cupi, je les mets dans le coffre de CL. Pour ceux qui jouent rarement et qui n'ont pas les ailes. Fait sombre. J'ai peur. Vas-y, mon Fat Cat, tu peux le faire. Bertranet, vas-y. You can do Bertranet, it. Bertranet, c'est Panda. Le pauvre. Pas comme il l'a dit, pas moi, donc c'est pour ça. C'est bon, j'arrive. À dos de Fat Cat. C'est bon, je suis là. C'est certain, le Cerber il a pas bougé donc il s'est pas monté dessus. Voilà. Oh, je suis trop fan. Oh, il est tellement beau. Wow. Oh, oui. Bah, il bave un peu par contre. Hein. C'est pas grave. Moi, je t'attends pour ramasser ce qui jette. Hein. Moi, j'ai mon bun bun. J'ai pas envie qu'il chie. Hein. J'ai mon bun bun qui est en train de commencer Stormblood là. Qui va t'en faire des montagnes.
C'est con, Citrax, je suis pas en train de casser, je suis en train de mettre mes poisons. Je suis dans les mobs. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais. Je suis au milieu du pack de mobs. Les pauvres. Je n'aime pas. Mais ah, laissez-moi finir mes castes. Mais. Bon, non, bah, non. Ah, ah. Bah, je tape. Non, plus. Plus vite. Voilà. Non, plus vite. Tu vois, Chita, c'est comme ça que prendre celle des castes. Bah, bon, pas besoin de prendre. Pas besoin. Bah, une version, je caste pas. Je fais des instants. Démerdez-vous. Bah, je m'en fous, moi j'ai le chapeau de Matoya, voilà. Oui, oui, on a compris, Malitoya. Regardez, il est beau. Il fait parapluie. Si on lance, Mali, est-ce qu'il revient ? Il est multitâche, il fait parapluie aussi. Ali, si on le lance, est-ce qu'il revient ? Je sais pas, j'ai pas testé encore. Ah, on veut bien le triple sort en healer. Hein. Je crois que tous les casteurs voudraient bien se triple sort. Alors là, c'est pété du coup. Toutes les DPS sont instants et tout ça sont instants, du coup, il n'y a plus rien à faire. Enfin, tu roules sur le clavier. Je vais pas laisser les mages incantés. Oui, non, mais c'est les heals. Moi, pas que d'être incanté. Ah, regardez, c'est encore Sadabro. Bah, c'est ça. Arrête de l'appeler Sadabro. Écoute, sur mon île, il s'appelle Sadabro. Je vais choper le morbol, je vais l'appeler Mali tout doux. Bah, si tu veux, mais. J'ai une de mes bestioles, je vais l'appeler Mali. Moi, j'ai jamais dit que j'adorais. Moi, j'ai jamais dit que j'adorais le morbol, donc. Mais il a jamais dit aussi qu'il adorait celui-là. Moi, tu, tu lui mets le petit accalou paradisiaque. Alors. Elle me remercie comme ça. Quand j'arriverai à choper le Spriggan extravagant, je l'appellerai Sadako. Sadamo. Mais pour l'instant, il est inexistant sur mon île, donc. Mais j'avais le temps de bouger, hein. J'étais en train de caster. Je voulais voir ce que ça devait passer dans la tornade. Non, voilà, j'étais en train de caster. Mais ça a pas fonctionné. J'étais en train de caster. J'ai plus beaucoup de vie. Qu'est-ce que j'ai bien fait la tornade à des pops à ce moment-là. Mon cast. Ah oui, le jeu ne t'aime pas, Citrax. T'inquiète pas, mais il y a plus de rescue pendant les deux prochaines minutes. Voilà. On va me bouger. Du coup, vous avez rappelé à Roy qu'il doit me tuer, mais bon, merci. Il tape très fort dessus. Mmh. Me rappelle pas. Bande de gens qui veulent pas laisser les mages incantés. Ouais. Il y a bien des bardes qui réclament de devoir recaster leurs flèches. Oh putain. Pas se calmer, parce que moi, j'ai vécu ça. Ah non, mais moi, je dis rien. Je dis juste qu'il y a certains bardes qui demandent à pouvoir recaster. J'ai dit, mais pourquoi ? Il y a des bardes et des machinistes qui voulaient recaster, mais personnellement, moi, je suis contre. Ils ont qu'à aller en PVP. Voilà. Voilà, mais faites du PVP. Laissez les autres tranquilles. Le problème, c'est que de base, le bard, il devait caster. Oui. J'ai connu cette époque. Elle est. En gros, le bard, il va attendre sa flèche. Ben. Attendre deux minutes, puis tirer sa flèche. Alors. À la limite, genre un sort, genre un truc en fin de combo, un truc un peu chargé et tout, tu vois, je veux bien qu'il y ait un petit casse. Un peu comme, pourquoi pas. Comme le samouraï avec ses yaijutsu, bah. Je veux bien qu'il y ait un petit casse, mais de là à caster tous les tes sorts, laisse tomber. Hein. Non, mais comme, genre comme la LB du bar, tu vois. Je veux bien à la limite pour la flèche explosive. Oui, voilà, mais comme la LB du bar, tu vois, il caste un peu parce que bah, il prépare son super sort de ouf là. Donc à la limite, pour ce genre de skill, pourquoi pas un petit cast, mais pas 2 minutes. Pas 2 minutes. Parce que pendant tes 2 minutes, t'as perdu toutes tes musiques, ça sert plus à rien. Dépecez-la. Écoutez pas Chita, dépecez-la. Elle a eu que ce qu'elle méritait. Oui. Je vais avoir un petit problème pour dépecer, moi. Pourquoi ? Parce que je vais plus déchiqueter qu'autre chose avec ce que j'ai. Ah bah, faut pas avoir des grosses patounes, hein. Il faut que je reste. Non, c'est parce qu'il est assis sur le jeu. J'ai une grosse patoune, j'ai une grosse scie. Et il a la disqueuse. C'est ça. Et pourquoi pas remettre des points techniques. Oh non. Non. Non, c'est chiant, non. Ça. Attends, déjà les gens, ils ont juste une classe où ils doivent rouler leur tête sur le clavier, ils y arrivent pas. Imagine si on met les points techniques, ils vont être perdus. Hein. Hein, je me rappelle les gens qui appuyaient sur. Comment il s'appelle sur Sprint. J'ai plus de temps pour taper. Non, ils vont être perdus. Combien de fois j'ai pas fait les bah, ça veut dire que le bard il faut qu'il récupère sa balade pour récupérer des PT. Et ça va être chiant. Ouais, ils vont être perdus. Aiguillonnement, les gars, aiguillonnement. Alors, un sort qu'il faudrait qu'ils remettent, c'est celui pour donner de la mana. Oui, elle a oui, les bien. Les classes qui n'aient pas besoin de mana. Transfert de mana. Transférer leur mana. Ça, je veux bien.
C'est vrai que qu'en guerrier, j'ai jamais utilisé de la mana. Ça, guerrier, de sabreur, danseur, barbe, machiniste. Les DPS, bah c'est vrai que ça pourrait être bien, par exemple, imaginons il y a un heal qui vient de mourir et il y a un gros red buster qui pop, et c'est vrai que si on pouvait l'aider à récupérer sa mana, ça pourrait être pas mal. Mais après je dis ça, mais en vrai, quand on se démerde bien, tous les heals, on a quand même moyen de régénérer rapidement de la mana. Mais non, on a de la viande de lapin. Faut juste savoir jouer sa classe, mais... C'est bien ça que tu précises, faut savoir jouer. Et il est là le problème. Le gros problème. Yes. Ça veut dire qu'il y a des barres sous le jeu qui dit « Ouais, je vais jouer cette classe-là parce qu'on m'a dit que c'était la classe qui était le plus délicat. » Tapé. Et puis après, il se plaint de se demander où sont les heals, hein. N'est-ce pas? C'est toi qui te plaignais tout le temps, c'est pas un mec qui te Il est où le 2? Ah, il est mort, ok. Bah non, parce que le 2 est mort. Non, le mec en fait il se plaignait que pendant les... Il y a un Corrigan qui me tape. Mort. Il me tape. Et genre, le mec, je fais, t'as qu'à jouer. Désolé, j'ai essayé de trouver les légumes, mais du coup, je pouvais pas te l'apporter. Ah, ça, je connais ça. Les trucs. Bah, ça fait pas ses dégâts, tu joues pas tiens. C'est ça. Un sort pour les BLM pour qu'ils ponctionnent la mana d'un healer. Quoi? Non, mais ça va, il régène déjà de ouf le mage noir. Il a pas besoin non plus de. Par contre, oui, il peut donner sa mana. Ce qu'il y a, c'est que le Black Mage prend au healer, qui veut dire. Bah non, justement, déjà que c'est pour ça que je dis, le mage noir, déjà, il régène tellement vite avec sa glace, il n'y a pas besoin de piquer la mana de quelqu'un d'autre. Justement, pour ne pas aller en glace et rester en permafeu. Oui, bah oui, bien sûr, bah. Bien sûr, puis sinon, il va soigner aussi. Le rotin, hein, en mode, allez, hop là, C'est vrai que pour le coup, ça, s'ils mettent le transfert de mana sur toutes les autres classes, un coup où les mages noirs ils seront en mode ah, donnez-moi les manas, donnez-moi. Ouais, non, mais alors du coup, le mage noir il va rester poteau, il va rester en feu, mais il va juste rien faire. Genre, non, Mali, ce que tu vas avoir si t'as genre de sort, c'est que le mage noir sera banni des parties. Bah oui, le mage noir est prié de rôle d'ailleurs. Recoucou Acadia. Ah là là. Oh, ouais, Acadia. Si jamais du coup on refait un cache-cache, on refait un cache-cache à 23h si ça vous intéresse dans la zone de l'événement. Il faut que j'aille me coucher, moi. Ah oui, non, mais pareil. Si vous devez partir, il n'y a pas de souci. Je propose si jamais. Pareil, y a pas ça de bosse demain. Ah, mais les gars, ça bosse. Il y en a qui sont en vacances, hein. Ah, moi, je suis content. Demain, c'est un inventaire, mais je bosse que 4 heures. Je suis en vacances à partir de mercredi. Ponctionner la balade des autres, ça serait on-ground pour le mercredi. Non, je suis en mode non. Mardi 19h, je suis en week-end, en fait. Ça va. Encore 19h. Quoi, tu veux que je t'oublie pas que le crash coup, mardi, il y a la mage pour oui. C'est le troisième. Alors, hein. Oui. J'ai un truc à dire. Alvis, je crois que t'es cocu. Mais non, je lui ai demandé de cracher, il a craché. C'est parce que j'ai demandé. Oh, c'est dégueulasse. Je commence à poser les questions là, Alvis. Quoi? Mais j'ai juste dit qu'il fallait qu'il recrache. Non, généralement, ce qui est dégueulasse, c'est quand on nous demande d'avaler. Bah, c'est parce qu'on. Bah, bonne nuit, Acadia. Mon dieu. Ah là là. Oh là là. Ça a dégénéré en deux secondes. Pas de soucis, Acadia. Bonne nuit. Chita qui casse le fun. Merci d'être passé. On est en train de s'amuser entre potes tranquilles, là, et hop là, on sort les bails chelous. De quoi? Mais il y a un petit qui bouge pas. Il est mort ou quoi? Regardez-le. J'entends qu'on me parle, mais je comprends pas. Désolé. Je m'attendais pas à cette réflexion de ma part. De ma part? Oh, tu serais sidéré de savoir tout ce que je raconte. Je veux pas Oula. Savoir. Trop d'infos, Mali. J'ai rien dit, moi. Pourquoi moi? C'est ton Discord. J'ai rien dit, moi. C'est toi qui reçois. Mais c'est toi qui dois régler tout ça. Mais rien c'est bon, il est moins de 18 ans sur son stream de toute façon. Quand même. Oui. Me fait encore bully. Quelqu'un peut prendre le rondin là? Merci. Allez. Malibully. Oui. Oh, j'ai plus beaucoup de place encore. On va créer l'association pour c'est les Mali. C'est pas arrête de Allez, une chance sur deux. Faut de mêler car c'est mec qui recrache. Quoi? Non. Oh purée.
chut. Mais allez, la salle 5. Ah putain. Vous êtes pas possible, c'est hein. C'est bon ça. Oh là là. Il y a pas il y a pas que le stream qui what the fuck. Il a une grande il a une grosse corde. Il a une corde. Lui il a un truc à compenser. Ah ouais là. Les gars, on a un problème. Ah. On est jamais tombé sur lui. Sushi. Oh. Bah peut-être que t'étais pas là, mais. Bah faut venir aux soirées. Oh, il vient plus en soirée. Eux ils vont tâche. Je suis quasiment toujours là, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Oh le dash. Ah y'a une fée. Y'a un gymnasium. Y'a pas qu'une fée, y'a pas qu'une fée. Y'a un tigrou. Y'a pas qu'une fée qui est en mode. Et on court tout vite partout. Oh non, je l'avais. Y'a des boules dans tous les sens. Petit bâtard. Ça a pété ça. Mais pourquoi tu me détestes? On va se calmer l'aspirateur là. L'aspirateur. Oh là. Faut l'appeler Dyson. Dyson. Que oh super. Oh cool. Des brasiers. Let's go. Proximité AOI. Mais wouhou. Mais pourquoi moi? Mais j'ai rien fait, je suis en train de faire mes... Parce que c'est la de la liste, c'est la plus facile à cibler. Mais non. Mais ça c'est une dernière de ta liste parce que t'as réglé ta liste comme ça, hein. Moi sur mon écran je suis première, hein. Malibuli. Je vais pas faire ça à Sadako. Bah pourquoi pas. Bah ouais, parce qu'il y a même trop pour ça. Tu l'as bien sur ton cul, Tati. Non, non, ça non, non, elle a le cul de Sadako. Ah bon, c'est pareil, hein. Ouais, j'ai un cul de lapin sur la chute. Sadako, c'est plus un lapin maintenant, je peux plus le tirer. GG pour la carte. Ah, une corne, s'il vous plaît, je veux la corne. J'ai fait 21. Son cupi, je fais 4, il meurt. Tu es 24. J'aurais jamais cette monture, hein. Oh, un jour, peut-être. Félicitations pour la prédiction aussi, je vais pouvoir en mettre une deuxième. Et le cul bordé, oui, c'est pipi. Oh là là. Ouais, Shita, elle aime bien les culs. Et cul partout. Et c'est la première que j'ai, on va se calmer. C'est la toute première. Félicitations pour la prédiction. Il va se calmer le gros rat. Je te rappelle que Didi t'a passé la sienne la fois passée. Oui. Je mets une deuxième prédiction. Alors ferme ta tronche. Sachant qu'on arrête à 23h. Donc je mets 10 minutes. Voilà. Let's go. Mais c'est pas impossible, hein. Let's go. Mettre 5, hein. Yume, il est content, il a pu donner ses points, c'est ça? Est-ce qu'on avait encore des cartes ici ou est-ce qu'on va au milieu? Je sais pas, est-ce qu'on a fini toutes les premières cartes là déjà? On n'a pas fait ça. Parlez pas tous en même temps s'il vous plaît. J'ai rien compris. J'ai fait mes deux cartes. J'en ai fait qu'une seule. Alors, donc je repose ma question. Est-ce qu'on a fait toutes les premières cartes? Dans la protubérance de l'île du milieu. Est-ce qu'on a fait au moins une carte par personne? Non, pas tout le monde. Alors qui, du coup? Voilà. Qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais? De quoi, pour la première c'est carte bon, ça, c'est oui, pour la première carte. Non, moi j'ai ma deuxième là. Alors. La deuxième, je l'ai déjà mise. C'est à côté de. La personne qui n'a pas fait sa première carte se manifeste, s'il vous plaît. Oui. Mettez dans le chat. Il y a eu un pas moi dans le chat. Oui, mais il date de 22h10, le pas moi. C'est pour les ailes, d'accord. Oui. Ah, c'est ouais, pour c'est les pour ailes, les ailes. D'accord. Oui, je crois que tout le monde l'a fait. Je pense que tout le monde avait bon. Eh bien, dans ce cas, on va aller sur la deuxième carte. Il y a quelqu'un carte. Qui a 10 ans. Voilà. Bah oui, il y a quelqu'un qui a 10 ans, c'est pour ça que je demande. Faut pas hésiter à se manifester. Bah sinon, on va sur la deuxième carte. Vu, hein. C'est parce que j'ai vu le pas moi, hein, c'est pour ça. Ah d'accord. Alors, oui, dans ce cas-là, on part pour la deuxième. Ouais. Let's go. Bah je paye le TP au milieu. On va s'en sortir. Elle est en feu ou quoi, Shiita? Ouais, toujours comme ça, Shiita. Toujours. Quoi? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'elle est toujours comme ça. Mais... Bah oui. Comment ça? Pourquoi? Que quoi? Je pense que certaines personnes ne t'entendent pas souvent et n'ont pas l'habitude en fait. Ça doit être ça. C'est la première qu'on voit ou la deuxième? Je vois des gens qui s'arrêtent ici. Il y en a une un peu plus loin sur la protubérance. En fait, il y en a deux. Oui, mais il y en a deux ici et une après okay. La protubérance. Okay. Bah, moi, je m'arrête là. Hein. Apparemment, c'est ici donc. Moi aussi, c'est ici. Voilà, c'est ça. Commence. Voilà. Il y en a la fêle dans le coffre.
Eda, qu'est-ce que tu fais dans le coffre? Putain, j'allais dire. C'était plus rapide. Tu sais, si tu voulais venir avec nous, il suffisait de s'inscrire et de pas oublier surtout que tu t'étais inscrit. Mais le vrai trésor, c'est Eda. Mais oui. Les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Oh, j'aurais pas dû. Eda, c'est One Piece. Ah, mais ils sont à nous encore ceux-là. Pardon, Eda, je t'embête. Bah, oui. Mais ça arrive tellement souvent en fait, c'est ça le truc. C'est que le nombre de fois où tu t'inscris à une sortie et t'es pas là et t'oublies que tu t'es inscrit. Oh, bah hier c'était pas. Bah j'ai vu ça. Alors moi je suis rentrée à minuit hier, donc clairement j'avais dit que je serais pas de la journée. Mais oui, j'ai cru voir qu'il y avait quand même 5 inscrits et personne n'est venu. Enfin, ici, il y a des gens qui sont venus, mais pas tous. Au départ, on était 5 inscrits. Et puis, au moment de la sortie, il y a personne qui est là. Et puis, il y a un inscrit qui se désinscrit. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, mais on attend 10-15 minutes. Et. Ah là là. Les gens commencent à peine à rappliquer. C'est bon. Hein. Eh, vous êtes adultes, hein, les gens qui s'inscrivent. Hein. Faut vous présenter hein, quand vous voulez faire une sortie. Faut pas attendre que. Que quelqu'un groupe, parce que en fait, si je suis pas là, personne gère le truc. En ayant mis un message dans la link shell pour savoir où étaient les gens. Hein, ouais, mais c'est que. Bah oui. Non, mais malheureusement. On a une super Anna qui était là. Une sortie de quoi? Bah de chez Mali. Ah bon? Ah oui, mais c'est malheureusement. Anna, elle a fait une Eda. Encore une fois, c'est pas du tout pour me vanter, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Si je suis pas là pour la sortie ou je suis pas là pour rappeler qu'il y a une sortie, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se termine. Bon, bah, je suis désolée. Je l'ai souvent subi, donc je confirme. Oui, désolée, j'étais pas là du tout hier. J'avais prévenu que je serais pas là la journée. C'était là, ensuite, on a fait quelques roulettes avec. En plus, excusez-moi, permettez-moi quand même de préciser, mais un quart d'heure avant la sortie, il y a quand même un fil qui s'ouvre pour discuter sur le Discord. Et ce fil... T'as vu que papy est allé en donjon avec une tenue de pervers? Comme d'hab, ouais. Non Va chier le jeu. D'accord. Il a mis ça où? Bravo, c'est Laura. Yoshi qui a mis ça dans le chat. Ah bon? Attends, papy, il attaque en donjon avec la tenue de pervers sans le vouloir, le karma. Ah! Mais quelle tenue de pervers? Mais peut-être son costume d'Halloween, là. T'as pas vu son costume d'Halloween? Oui. Ah, il a changé entre-temps, ouais, mais en fait, au début, il avait... Tu vois la robe avec les ailes noires, là? Ouais, la robe d'ange et de démon, là. Le truc démoniaque, la tenue démoniaque. Bah, en gros, il a mis ça avec la tête Tombéry, mais il avait un slip léopard en dessous. Et vu que la veste, c'est une veste qui s'ouvre au niveau des jambes... Excuse-moi, moi, j'appelle ça un pervers. Le nutritionniste de mon école, c'est ça? Il y a un petit gros. Du coup, oui. Alors, donc je précise... un quart d'heure avant les sorties, il y a une annonce déjà qui se met en mode « Attention, il y a une sortie dans un quart d'heure » sur le Discord. Et il y a un fil qui s'ouvre. Un fil, c'est-à-dire un chat écrit temporaire qui va du coup se supprimer quand je vais supprimer la sortie. Donc ce chat-là, justement, est fait pour parler de la sortie. Donc n'hésitez pas, justement, pour les prochaines fois, à vous en servir pour vous regrouper, pour demander qui est où. Parce que la link shell, c'est bien, hein, y a pas de souci, mais il y a des gens qui se connectent souvent au dernier moment. Donc peut-être... Non, mais c'est... Voilà. C'est inévitable, ce truc. Mais si, c'est évitable. Donc oui, n'hésitez pas à vous en servir pour demander qui est où, qui fait quoi, est-ce que machin... Faut rester à une distance, si tu veux, pour éviter ces attaques. Semi-pré-shot. Voilà. ce bot est quand même bien fait. Je n'ai pas encore trouvé mieux pour les sorties. Si tu es en tentative, il te prévient pas. Si t'es en tentative un quart d'heure avant, c'est que tu sais pas encore si tu peux venir ou pas, donc là c'est autre chose, mais... Attends, parce que ça part mal, même si Ramu nous offre un mulligan. Parce que ça part mal. Mais non. Parfois. T'inquiète, regarde un gros tigrou. Agogo. Moi, il me fait vraiment penser à Kratou. Hein. Agogo. Agogo, gros méchant. Il est gris, méchant. Et il fait des gras aux bisous, celui-là?
Je sais pas. Alors moi, je vais, j'ai pas trop envie qu'il me fasse des bisous. Hein. Non, mais vous avez pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Petit gros. Et crato bisous. Mais non, mais c'est les Ming dans One Piece, ils font des crao bisous. Ah, mais je regarde pas, moi. Je me suis arrêté à l'épisode 300. Je me suis arrêté à Marineford. Ok. Un rat. Déjà, déjà au bout de 300 épisodes, ça a commencé à me saouler en fait. S'arrêter les gens d'exécution trop dans une ville. Attention, hein. Je ne juge pas la série, c'est juste que moi personnellement, au bout du 300e épisode, j'en ai eu marre. Ah, je dis pas, ça fait long, mais c'est sympa. Bah, vu le nombre d'épisodes qu'il y a, oui, ça fait long. T'en as pour un long moment si tu veux regarder depuis le début. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté Détective Conan, parce que bon, à l'épisode 958, bon. Pour hein, One Piece, voilà. Ils ont arrêté ou ils ont atteint les 1000? Il y en a 1075, un truc du genre pour le moment. Non, mais il y a, ouais, y a un moment, le jeu, faut qu'il aille se faire voir. Attendez, je vais le mettre sur Discord. Merci. Voilà. Carré d'athlète. De l'argent. J'ai fait besoin. De l'argent. Ça fait combien, Citrax? Bah, regarde sur Discord. Mais il a fait 1. Bien fait. J'ai entendu un fait là, actuellement, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il venait du cœur, ce fait. Ah, oh, ça. C'était joli, le 1. Entre Citrax et moi, ça vient toujours du cœur. Jean-Marc. Le petit 1, ouais, c'est mignon. Et pour les gens de la CL, c'est-à-dire... attendez, il y a qui dans la CL ici? Il y a Neutra, c'est tout, je crois. Ouais, mais bon, moi, j'ai l'impression d'être un peu entre plusieurs personnes, mais c'est pas grave. En fait, Neutra, elle est entre la CL de Mali, elle est entre Didi, entre moi. Ouais, bah parce que... Bah parce que le souci... Pardon. Elle est sans domicile. En fait, le souci, la pauvre Neutra, c'est que depuis qu'elle est arrivée, j'ai eu mon problème de bras qui fait que bah tous les trucs que j'aurais voulu faire bah avec les nouveaux membres, bah je peux pas les faire, donc je les ai quand même programmés. Mais bah comme en plus on est en inter-extension, je sais pas si ça se dit. On est entre deux extensions, donc oui, il y a beaucoup de gens de la CL qui sont allés voir l'herbailleur. En attendant, ce qui est tout à fait normal. Du coup, ben oui. Oh, mais t'inquiète pas, ça m'aide à faire plein de trucs. Mais par contre, voilà, donc c'était pour dire à la base, on va pas faire les raids 24 et on va pas faire les raids 24 jusqu'à Dawn Train non plus. Et par contre, voilà, je prévois de justement avant la sortie d'extension, je prévois de faire des sorties genre peut-être aller fermer les aléas de Endwalker pour avoir les montures, les récompenses et tout. Pourquoi alors, pas ça, faire des... Pas, bah parce que sais qu'il y en a qui aiment pas forcément faire ça tout seul et c'est chiant clairement. Mais ce sera pas forcément non plus pendant 3 heures, hein. Ce sera 1 heure, 2 heures, ça, on verra. Au moins 1 heure, histoire de faire quand même quelques trucs. Moi je suis une victime de kidnapping avec un syndrome de Stockholm. Oui. Et je prévois aussi de faire, alors encore une fois c'est dans l'hypothèse où... Enfin, c'est des choses que moi j'aimerais faire mais je sais que ça peut intéresser d'autres personnes. Bah par exemple Eureka Orthos, les donjons en branchement aussi, pourquoi pas. Il y a pas le nouveau de mardi? Bah si, en plus il y a le nouveau aussi. Mais c'est des choses qu'on peut faire, on peut faire deux équipes ou même plus vu que c'est des trucs à faire à 4 maximum. Coup, pas fini. Mais ça c'est l'occasion en fait, en attendant la sortie de la prochaine extension, c'est des contenus qu'on va pouvoir faire tranquillou. Sans CL, fils, qui est sans CL? Hein? Quoi? Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a mis sans CL fixe. En fait, on a tous une CL, mais on vient tous chez moi. Oui! En fait, c'est ça, la majorité des gens qui viennent aux sorties sont pas dans la guilde. Alors, c'est marrant que tu dises ça, Az, parce que je suis tout seul dans ma CL. Alors, après, techniquement, Sadako est dans la guilde avec un reroll. Du coup, ça compte. Parce après, qu'on m'a demandé à ce que mon reroll soit sur Google. Après, Roy, j'ai essayé de kidnapper sa reroll, mais il l'a pas mis sur Google, je crois. Non, je suis sur Cerberus. Voilà, du coup, bon. Ouais, il veut pas. Ouais. Bon, on a déjà fait une salle 5 ce soir. Oui, c'est bien. Hein. Bah, après, on a encore un peu de temps. Hein. Il est que 36. Hein. Ouais,
Ouais, encore, tu sais que souvent les cinquièmes portails on les a à 23h03, un truc du genre. Tu vois quand ça déborde. Les dernières cartes et puis on finit à la nuit parce qu'on a eu un portail. C'est ça. Voilà, à mon tour du coup. Là, on finit à 23h et puis après on voit. Ah ben on est à la cinquième salle, il est 23h15. C'est ça. Bah est-ce que il y a une. Oui voilà, il y a une carte ici. Oui. La seule raison pour laquelle j'y reste et ne vais pas dans celle de ma statique est justement le coffre. Ah bah oui. Je crois que je suis au même endroit que Shiita sur ma troisième carte. Ah moi j'ai trop investi dans ma selle pour que je puisse la laisser comme ça. Moi si j'ai une ma fois... selle, elle pue l'argent donc. Ça partage je me donne. Ouais, nous moi, je récupère, parce que hein. Ça nous fait plus de terrain pour cultiver des oignons. Ouais c'est ça. Dans les oignons que je cultive en fait parce que toi tu les lances jamais tout seul. Les oignons, les légumes. Il y a tout le matos dans le coffre de la CL. Et à chaque fois, c'est Shiita qui lance. Bah, tu sais que là, j'ai 6 jardins en cours. Oh là là. Tu peux en avoir 3. Tu peux en avoir 3 de plus, hein. Ouais, mais c'est les terreaux qui suivent pas après. Merde, tu peux aller à Edilé, j'ai envie d'aimer. Les tannes à l'année ? Ah mince. Oui. J'en ai 541 là dans mon sac. Un portail. Pas, j'en ai plus de 600 en vrai. Je dois en avoir 620. Et mon chocobo est fou. Je monte mes artisans et ça demande tellement de place ce truc. Ah bah oui. En fait, les artisans, le plus opti c'est de tous les monter plus ou moins en même temps par rapport à l'équipement. Ouais. Et attendez, cuisinier. Et après, ouais, cuisinier, moi je le fais toujours en dernier hein, parce que les compos et tout là, c'est relou. T'as pas fait une pizza? J'ai toujours up le cuisinier en dernier, hein. Vraiment. Hein. Je le trouve, c'est le plus chiant. Ah, moi je l'ai fait en premier. Je me marrais sur les quêtes. les quêtes en mode de pouvoir, là. C'est la carte à qui? Anetra? Ouais. Let's go. Ça brille. C'est un petit gros. Je fais des mandats, j'ai dû sortir le cuistot pour taper les mobs. Parce que tous mes combattants étaient trop haut level et même à poil c'était du one shot sur les mobs, du coup j'ai dû prendre un crafter pour faire le mandat. Bah tu vas me dire que même avec le mage bleu avec un dégobillage de sardines ça n'allait pas. Surtout avec un mage bleu. Je sais mais reste que les compos, surtout celle du cuisinier demande. Ah oui bah c'est pour ça que le cuisinier je le fais toujours en dernier en fait. Mais en fait, si tu up via Azuré, les compos... Oui, il y a ça aussi. Mais moi, quand j'ai monté mes crafters, il n'y avait pas encore Azuré. Donc moi, c'était un mix entre... la grande compagnie aussi. Les commandes spéciales, ouais. Les quêtes tribales, etc. Et puis, les mandats. Non, tu fais ça, c'est les collectionnables. Pixel safe au mieux. 2 mm et demi et même maintenant, je préfère largement up avec des quêtes tribales, des commandes spéciales, des mandats, etc. que Azuré. Je sais pas. Après, c'est une préférence, hein, mais. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. 39, bah. J'ai pas dépassé le 40 sur les besoins. Je me souviens jusqu'au niveau 50, non. J'avais tout monté avec des mandats. Il y avait aussi quelqu'un qui m'avait aidé à l'époque, parce que j'ai débuté sur le jeu, qui m'avait crafté aussi bah, des trucs de mandat. J'avais tout monté en mandat jusqu'au niveau 50. Ouais, s'il vous plaît. Et après, j'avais fait du coup bah, les quêtes tribales, les mogs, les commandes spéciales et tout. Après, le but, c'était pas non plus de monter toutes mes classes en une semaine. Hein. C'était de les monter tranquillement. Quoi. Après, en montant en faisant tes crafts du carnet d'artisanat, ça te donne un boost d'XP aussi. 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 En plus de faire le haut fait, faire X craft différents. Mais non, alors attends. Non, jusqu'au niveau 45, je montais en craftant justement dans le carnet de craft. Genre, imaginons en menuisier, je prenais le madrier le plus haut niveau que je pouvais craft, non. Je le craftais en boucle et ça suffisait pour up. Et du niveau 45 à 50, je faisais des mandats. Ouais, non. Et après, non. Je faisais les quêtes tribales. Après, je dis ça, ça date de Stormblood. Hein. Je reviens.
je passe vite à... Non, il y en a un qui voulait pas utiliser aller à LP sur un truc comme ça, utiliser ses trucs. Edile, ouais, c'est Shida. Non, moi j'ai déjà passé à Edile, c'est pas grave, je passerai après. Ça ira mieux qu'on continue sur la 50 parce que les quêtes MOG ramènent masse d'Isel, mais avant ça, c'est les Isel qui prennent quelques trucs. Bah. Oh non, non, c'est juste du jeter ce qui est inutile. Bah, Asbeber, justement, pour cuisiner, je te conseille pareil, c'est tu repères un plat qui demande pas trop d'ingrédients et tu le craftes en boucle. Genre, c'est vraiment. Tu fais ça jusqu'au niveau 45, si tu peux, jusqu'au niveau 50, mais au moins 40-45. Après, tu fais quelques mandats. Voilà. Et après, après les goûts, les quêtes tribales. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Elvis, il est à ton goût, le Cerber ? Du coup, on va où, là, du coup ? À DRS. Bah, il y avait la mienne et celle de Citrax, au même endroit. Ouais. Et il y a la mienne au bouclier à gauche. Bah, je vous suis. J'ai perdu le fil des cartes. Bah, let's go. Bah, bravo. Je t'ai pas suivi. Moi, je suis le Cerber. Bon, je fais ça avec le vinaigre, un seul ingrédient et demander dans un mandat. Ah bah oui, là, c'est tout bénef. Je suis passé derrière un arbre et je vois plus son gros cul. Maintenant je le vois. C'est ce que j'ai fait quand j'ai monté mon cuisinier du niveau 80 à 90 avec des collectionnables. Hein. Je cherche, je m'en fous en fait des points. Moi je regarde celui qui demande le moins d'ingrédients. Et comme ça je vais full récolter ces ingrédients et après je crafte en boucle. Et en général ça suffit. Toi. C'est ce que j'ai fait pour monter mes trucs. Ouais. On est plusieurs à avoir la carte ici, c'est nice. Et ce que j'ai fait pour monter mes autres crafters, bah, c'est que... En fait, je repérais des collectionnables où il y avait des compos en commun avec certains. Des fois, il y avait entre le tanneur et le couturier, il y avait certaines compos en commun, etc. Et du coup, bah, je récoltais un max. Je passais vraiment mon temps à récolter. Et comme ça, je pouvais monter deux crafters en même temps, quasiment. Parce que j'avais les compos pour. Surtout que, en plus, ce qui est bénéfique, c'est que quand tu récoltes pour crafter, tu up aussi tes récolteurs. Donc, je crois que j'ai up mes récolteurs que en récoltant sur un Walker. Azuré. Bah non. Ah, mais ça rapporte des points, Azuré. Oui, non, mais moi, je parle de 80 à 90. Mais quand même, j'ai monté mes récolteurs en récoltant. Je suis allé récolter pour faire les collectionnables des crafters, et en récoltant pour les collectionnables de crafters, ça m'a up mes récolteurs. Moi, j'ai monté pêcheur sur le bateau. Oui. Bah, de toute façon, le bateau pour le pêcheur, c'est le moyen. Ah bah, c'est le must, hein, clairement. Après, moi, à la base, je l'ai monté quand même 70 en faisant la pêche de base avec les mandats. Moi, en 80-90, c'est parce que j'ai aidé quelqu'un à monter son pêcheur jusqu'à 50 et enfin, quand on est rentré dedans, je suis monté de notre 90. Parce qu'il n'y avait pas Azuré à Stormblood, forcément. Donc, le pêcheur, je faisais Azuré et bateau. Genre, quand le bateau n'était pas là, j'allais Azuré. En même temps, pour des récolteurs, c'est mieux de récolter. Bah oui, forcément. Mais c'est que là, du coup, c'était tout bénef puisque ouais. Ça me servait aussi pour mes crafters. Bah figure-toi qu'il y en a qui ne récoltent même pas pour up leur récolteur. Oui bah ça c'est... Ils achètent à l'HDV. Ça c'est des richoux. C'est pas au petit. Voilà. Alors que moi c'était au petit parce que du coup moi quand j'avais fini tout up, bah toutes les compos qui me restaient, bah paf, je les mettais à vendre. Et ça s'achetait parce que bah justement il y a des gens qui achètent au lieu de récolter. Hein ? Des pigeons. C'est ça, oui, des pigeons. Si à la prochaine extension, on pourra encore revendre des minerais de fer à 500 gig unités. C'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal à faire du tri sur mes servants, parce qu'ils aiment bien nous ressortir des anciennes compos pour faire des nouveaux trucs. I don't fucking care about that. C'est qu'en fait, comme il y a des nouveaux joueurs, les mecs, plutôt que d'aller hop les trucs, ils achètent ça à l'HDV. Genre, le minerai de fer, c'est un item que t'achètes 4 gig au PNJ. Oui, ça, ils le voient pas. Pourtant, c'est pas faute qu'ils aient mis un texte hein, dans la description, hein, mais bon. Et les gens savent pas lire, tu sais. Qu'il n'y avait pas avant, d'ailleurs. Avant, il n'y avait pas tout ça. Genre, moi qui fais trop de housing, et j'en ai marre de sortir toutes les 10 secondes. Ouais, parce que du coup, tu vas chercher les matériaux pour craft les objets. Les meubles. Je suis dans le même cas. Et oui, mais je fais pareil. Hein. Oui. Je fais la même chose. Hein.
Je n'achète pas les meubles. Non. Alors après, ça dépend si le meuble il coûte 500 gils. Ok, toi. Mais clairement, moi, dès que ça dépasse, dès que ça dépasse 5000, alors sauf si c'est au PNJ du logement, parce que si c'est un meuble qui s'achète au PNJ du logement, tu peux pas le craft, donc bah voilà. Mais sinon, dès que ça dépasse, on va dire, ouais, entre 5 et 10 000 gils, je n'achète pas. Je craft. T'as dit que t'achetais pas à quelqu'un qui a été vexé, il est parti du Discord ou... Ah. Il y a eu un bug. Bah, je sais pas. De quoi? Ouais, il y a quelqu'un qui a quitté le Discord. On a perdu quelqu'un, on a perdu qui? Bah, je sais pas. Oh, on a perdu Alvis. Ah, on a perdu Alvis. Rip Alvis. Regardez, c'est le copain de Sada, bro. Je vais lui découper la tête à coup de hache. Tu as découpé. Oh, bah, super, il découpe son copain. Hein. C'est pas son mon copain pote, ça. C'est un KFC. C'est un futur de quête. Et des fées. Oui, c'est Trax, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ouais, j'ai visé le mauvais truc. Y'en a plus. Truc sympa, oui. Je visais la fée à la base, et j'ai pas cliqué sur le bon. Mon cul, ouais, tu vises la fée, et comme par hasard, je me fais grapper. Ah, t'étais bon. Oh là là. Mais quand t'as besoin de 500 rondins de Gaillac et qu'il t'en manque 10, t'as un peu la flemme. Oui, bah oui, forcément, je comprends. Après, je t'avoue que moi, j'ai la flemme, mais j'ai toujours préféré perdre du temps que perdre de l'argent. Ouais, mais t'as la... Alors, ouais, mais quand ça fait 3 heures que tu fais du housing, t'en as un peu marre. Oui, non, mais oui, je sais bien. Ouais, mais Maline n'a pas ce problème. La personne, elle t'achète 4 stacks de minerai de fer. Bon, il y a un moment... Je suis radine sur le jeu. Je suis radine. J'avais crafté les haies de ma maison toute seule. Je suis radine pour moi-même, en fait. Je ne dépense pas, déjà, mon argent sur le jeu. J'ai pas envie, en fait, de dépenser mon argent. Mais du coup, j'ai de l'argent, il me sert à rien. J'achète rien avec. Alors non, il me sert pas à rien puisqu'on essaie d'acheter une grande maison. Mais c'est... Avant les nains, le... Merde, il a pas bougé. T'as des quêtes aussi, hein, qui te... Chaque extension a ses tribus pour up les crafters. Oui. Ah oui, bah moi je faisais de tout, hein, de toute façon. Sauf que ouais, après, que en fait, le problème, c'est qu'en général, sur une nouvelle extension, bah, quand les tribus de crafters ou de récolteurs elles sortent, bah, je suis déjà niveau max. Du coup, ben, bah, je l'ai fait quand même, mais je suis déjà niveau max. Bah, c'est surtout que vous attendez pas, bah, je m'occupe autrement. De quoi? T'as dit quoi? Non, je disais que moi j'attends les autres pour avancer, ben à un moment je m'occupe autrement et au final je monte les crafters. Bah oui. Ça ou alors tu bah t'attends tes PF qui se remplissent parce que tu fais du travail ou de l'extrême et bah, tant que les PF se remplissent. Ça aussi. Y'a ça aussi. Pourquoi TP quand tu peux prendre un bateau? Alors oui, alors, c'est pourquoi, vrai. Pourquoi prendre un bateau si tu peux marcher? Alors, il y a quelqu'un dans notre CL qui s'est lancé le défi de faire toute l'épopée sans payer un seul gils. Alors, sauf quand il n'y a pas le choix et qu'elle est obligée de prendre un bateau, elle prend le bateau. Quand il n'y a pas d'autres moyens de transport pour aller dans une zone, parce qu'il y a certaines zones où on n'a pas le choix. Mais autrement, elle s'était lancée le défi de faire ça. Elle a fait toute l'épopée sans prendre de TP. Sans prendre de chocobo, taxi ou quoi, genre vraiment juste monture et... Et là, c'est pour, juste sur, pour se balader sur les maps aussi. Et pas les éthérites, quoi. Le rapatriement, ça compte? Je sais c'est pas. C'est gratuit, le rapatriement. Non, ouais, je pense que du coup, ça compte pas. Et un train de chasse avec les bons éthériens. Bah, c'était un défi, hein. Après, en vrai, c'est une façon de jouer aussi, hein. Oui, tu peux Mais elle a fait ça pour savoir combien tu gagnais à la fin. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour si voir combien elle économisait. Et du coup, Verdict... Ah, beaucoup. Je sais plus. La Verdict, elle a pas fini. Parce que je sais qu'il y a... Alors, c'était à Shadowbringer. Il y en a un de Marcel, bon, je sais plus qui avait fait ça. En faisant toutes les quêtes annexes du jeu. Bon, il payait les TP, mais il était... toutes les quêtes annexes du jeu, il avait plus de 3 millions à la fin de l'épopée. Eh ben... Juste en faisant toutes les quêtes et en vendant les... Encore? Voyons. Ouais, mais il y en a deux autres ici. Hein. Ah d'accord, ok. Ah ouais, non, on est trois à être ici. Bah non, mais très bien, hein, ça économise les montures. Papillon.
Il y a un chaud papillon, un chaud copillon. C'est ça, hein, c'est chaud copillon. Il y a un chocobo avec les barres de titane. Un chaud copillon. Mon commanditaire favori est Omega. Il paye ses TP. Comment ça? Dans la quête d'Omega, tu prends pas. Ah. Tu fais pas payer, du coup, il t'épée automatiquement, un truc comme ça. Ah. Pas. Pas d'eau. C'était le bâillement pour rassurer Yume que je vais bien. Merde, j'ai pas su de cupi. Mali qui baille pas, c'est qu'elle est malade. C'est ça. En fait, soit je suis malade, soit je suis tellement fatiguée que j'arrive même plus à bailler. Oh ouais, tu te fais bailler d'ailleurs. De rien. C'est pas sympa. Ta chaîne a commencé. Suivant. Bah c'est bien, on a quand même pas mal de portails. Hein. Bon, pas sur mes cartes, hein, clairement, mais... Oui, mais on va pas loin. Après, pour l'instant, j'ai ouvert qu'une carte, mais... Enfin, voilà. La deuxième, elle est là-bas. Ouais, quand j'ai fait de la moula. La paix. Ah, voilà, voilà, c'était la personne suivante. La paix. Ah, là, je suis la chaîne, continue. Suivant. Allez. Qui baille? Ça s'est pas entendu. Comme mes jambes, comme une mèvre. Il fait pas comme les héritiers à te demander de traverser le continent sans payer le trajet. Oh, ça m'est déjà arrivé. C'est pas comme si les finances des héritiers... Moi, je pense qu'il devrait faire la Tataru Bank. À ce niveau-là, on est bien. Mais qu'est-ce que t'as... Banque, c'est Améliance qui a tout payé. Après, t'as aussi deux qui ont de grosses dépenses... La grosse dépense facile. Ah bah, il y a Estinien déjà. Hein. Ouais. Allez. Estinien, oui. Ah, j'ai pris quelque chose pour attacher mes cheveux, ça coûte 2 millions. Comme non, merde. C'était 50 000, Gilles. C'était 50 000 et Alfino qui fait, j'ai acheté le katana à 1 million. Bah, je crois que le katana, il le valait quand même. Non. Non, il a été beaucoup plus cher que son prix initial. Non mais je pense que le katana c'est le cliché des touristes qui viennent au Japon qui achètent un katana sauf qu'en fait c'est de la pacotille. Oui mais bon là mais on parle pas de n'importe Gozetsu. Quel katana, on parle de celui de Gozetsu. Oui mais je sais pas si c'était le vrai. Qui a lâché son katana pour devenir chauve et taper avec un bâton. Oui. Wally est toujours caché pendant Cerberus. Oh il y a des andems. Oh regardez il y a les cosplayers de la Fat Fest. Ah c'est Stellem. attends. C'est pas gentil tout ça. Oula, il y a un peu trop d'AO, même pour moi. On arrive bientôt, Panda, on arrive bientôt. Encore 6 minutes. Oui, bon, attends. On va être 8 à chercher. J'espère que tu t'es occupé quand même en attendant, parce que si t'attends vraiment depuis tout à l'heure. Et là, il a cherché toutes les possibilités, il a fait une alors celle-là. D'ailleurs, il est au manoir ou au jardin? Ah oui! Bah, je pense qu'il doit être au manoir, non? Je fais un maintenant. Parce qu'au manoir, ça va être chiant. Bah, Rinku! 8 à chercher un gars. Ah, parce qu'on va le chercher tous les 8? Je pensais que vous alliez. Je pensais que vous alliez retourner vous cacher. Bah, moi, je pense que Mali pense à ça, qu'on allait retourner un coup. Bah, ceux qui veulent, hein! Oui, bon, on peut, hein. En vrai. Ceux qui veulent, oui, vous pouvez retourner vous cacher, hein. Tant qu'à faire. Bah c'est justement de ça qu'on parle, Az. C'est justement de ce moment-là. Ah bah si, justement, il se fait troller pour ça quand on arrive à Razad, à Tavener. Alors Mali, t'as toujours la petite vidéo de dépression, là. Où le ciel était tout gris, il pleuvait. Oui, j'ai le clip, normalement. La dépression... Oui, ou bah justement, tu parles avec Essien et Alfino, et Tataru, elle t'intercepte, elle fait... Et surtout, c'est vous qui payez. Ça. Le putain de Dragon Céleste, il sait rien acheter parce que tout le monde lui achète tout. Ramenez-moi les poissons, s'il vous plaît. J'ai pas envie de bouger. Pardon, Panda, ce que je disais par rapport à Panda, tu vois. Panda, c'est un... Voilà, c'est un nom masculin. Comme je sais pas, en général, je me base sur le pseudo. Quand je peux, bien sûr. Pas de soucis, merci pour la précision. Bah, va le chercher. Non.
Qu'est-ce allez, que Laura, je voulais dire chercher. Oui, alors attends, le clip où on se fout de la gueule de... Enfin, on fait partie des gens qui sont rebous, mais... Loupé. Je voulais voir, en fait. Ah non, mais pas. On a bien ah, rigolé sur cette partie-là. Oui. Oh putain. Après, il y avait Sicar. Je crois que la... Oh, fait... la ah non, mais Sicar, s'il te plaît. Bah oui, Sicar. T'es brioche. La brioche vendéenne. Ah non, mais dès qu'elle m'a sorti ça, j'en pouvais plus. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Voilà. Ah, le cœur de poulet de montagne. Il faut la parole, mais il faut roll. Oui, il faut roll, s'il vous plaît. Mali, tu sais, c'est la phrase habituelle de Choco ces derniers temps, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Sur le chemin. Alors, attendez, je vais pas essayer de... Je vais essayer de récupérer le fameux clip. Pendant que... La roue tourne. La roue tourne. Comme dirait un célèbre... Alors... La roue tourne a tourné. La roue tourne a tourné. Ah, il était sacrément amoché. Allez, voilà. Ah, la boisson du soir. Et le... Amoché ce soir-là, il est toujours amoché. Le problème, c'est oui, que non, mais... Twitch ne sait pas trier les clips par date. Ou alors, il faut que j'aille dans le studio. Ah. Alors, j'ai trouvé Sicar, hein, si jamais. Non, mais... J'ai trouvé le clip de Sicar. T'as d'accord, il y a ton copain. Non! Tu dis ton copain, j'ai pas dit ton homonyme. Mais putain! C'est direct sur sa gueule! Du coup, avec ce clip, vous aurez le privilège de voir ma tête de patate. Car oui, à de rares occasions, vous pourrez voir ma vraie tête de patate. Et elle pollue les plages. Oui, je pollue les plages aussi. Et elle arrose les gens. Pardon? Alors. Sur Animal Crossing. Il touche pas la ref. Sur Animal Crossing, je précise. Je joue pas Animal Crossing. Voilà, bon bref, bah, sur Animal Crossing, je... en fait, c'est une blague, c'est parce un que... psychopathe. J'avais refait ma partie, et du coup, je voulais pas perdre tous mes objets, donc je suis allée littéralement déposer mes objets sur la plage de quelqu'un d'autre. J'ai eu tellement mal. Et bah, au passage, il était AFK, du coup, je suis allée l'arroser avec mon petit arroseur. T'as plus la vidéo, Mali? Bah, c'est sur le best-of qui est sur YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Ah, tu mets bien, si ils ont quoi. Alors attends, je vais retrouver. Ils ont la ref. Je vais retrouver la vidéo, elle est où? Ah! Je l'ai! Uriangé en PLS. Hein? Non, mais je vais. Ah, y avait Uriangé. Sans crête et nous en PLS. Ah, c'est le moment où on arrive à Yedlimar. Yes. Avec le transport éthéré. Oui, magique. Ça va faire pendant 2 minutes. Ouais, ouais. Et que t'es là en train d'essayer de dire à Estilia, achète pas ce truc. T'as les deux qui sont en train de dégueuler d'un côté, il faut surveiller l'autre parce qu'il se comporte comme un enfant dès qu'il y a un truc à acheter. Ouais. Et mais parce c'est que lui, il avait déjà été à Yedlimar, donc il avait pas besoin de l'éthérite. Ah, mais je voudrais bien voir le avant et après, mais je crois qu'il y a plus. C'est trop tard, il y a plus la vidéo entière. Dommage. Mais j'imagine bien Estinien pour se déplacer, juste il fait des sauts de dragon. T'es en train de regarder les cieux, tu fais ça, un oiseau. Ça, y a pas je sais pas, pas. On va demander à Shai. C'est un dragon. Non, non, okay, c'est Yoshi. Juste Estinien qui est en train de faire des sauts. Merci. Il me semble c'est trop bien. Ouais, justement, Estinien, il se balade quand piqué Céleste. Par contre, je viens de penser, mais samedi soir, normalement, on a le phare monture. Alors, soit on mange assez tôt et. Et comme ça, je rentre à temps pour la sortie. Soit, bah, je serai pas là pour la sortie. Ou alors plus tard. Bah non, j'ai mal. Mais après, si on y va pour 18h, je pense qu'il y a moyen. Hein. Vous parlez de quoi? D'une soirée entre filles avec Yoshi et Fly samedi. Voilà. Enfin, un resto surtout. Avec Fly et Yussi. C'est le resto des VTubeuses. Hop, Kipi. Non, on n'avait pas vu celle-là.
ce sera la soirée avec une artiste, une patate et une rageuse. Bonne soirée Bannière 4, merci beaucoup d'être passé, encore merci pour le follow. Repose-toi bien. Bonne soirée, bonne nuit. On va faire des photos avec notre tel. Mais oui. Il faut laisser partir sur ça. Voilà. Mon Dieu. Merci Roy. Voilà, fais de beaux rêves avec cette alerte Bannière 4. Sois bercé par ce son. Il va se réveiller le matin, il va entendre que c'est une Attends. On ne le revit plus jamais. Non, attends pas, c'est un portail, ça va pas. Non, mais c'est pas grave. C'est pas dimanche prochain. Ce sera... Oui, ce sera pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Il y a notre Aïchita qui bosse toi demain. Il y en a qui bosse demain. Bonne nuit à qui. Bonne nuit à qui. Merci pour le bonk. On l'a vu le bonk au moins. Oh mon Dieu. Oui, on fera le reste la semaine prochaine. Il y en avait encore une ici, mais elles veulent pas. Bah, il y a des gens qui doivent partir, dodo. Il y a quelqu'un qui attend plus 20h pour un cache-cache. Oui, aussi. Il y a Panda qui attend là. Aussi. Merci beaucoup pour les cartes en tout cas. Bonne soirée, du coup, ceux qui s'en vont, reposez-vous bien. J'ai entendu une complainte au loin. Et la sortie pour la semaine prochaine est déjà disponible techniquement, donc n'hésitez pas. On n'a pas fini de cartes là, on est d'accord. Enfin, on a fini une, mais on a fini qu'une seule. Une seule, ouais, et une proche. Ouais, on a fini qu'une. Vous avez pas voulu. Ah Citrax, tu es un enfant. Tu es un enfant. C'est pas moi, c'est Chita. Bonne soirée à tous. Amis. Mali, regarde sa carte de personnage, tu vas comprendre un truc. Sa carte de personnage, bonne soirée. Bah, il a quitté, je peux pas la voir. Ah, mais il est parti. Si, tu peux depuis la liste de contacts. Ah, voilà, alors. Tu peux voir les cartes de personnes. Voir la carte de personnes. Non, mais dans le chat groupe. Mais si, liste de contacts. Non, la liste de contacts des gens que t'as croisé. Gneu, gneu, gneu. Là, je peux pas la voir. Gneu, gneu, gneu. Je vois. Quel est ce langage? Ok, messieurs, dames. Si vous voulez faire un cache-cache à nouveau, c'est maintenant. Allez vous cacher dans le manoir. À 23h. À 23h10. Max. Je viens vous chercher. Voilà. Faut aller sur Moogle. Et dans le manoir. Bye bye. A plus. À la peine au pépère. Bonne nuit à ceux qui partent. Open night. Donc t'avais dit dans le manoir. Dans le manoir. Ouais, le manoir. Deuxième PNJ, ouais. Moi, je vais aller faire un tour dans le jardin en attendant parce que là, il pleut à Gridania, c'est nul. Mais il pleut à Shirogane aussi. Oui, vous avez 7 minutes, exactement. Je dégroupe par contre. Ouais, hein, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à cette zone. Ouais, au début, c'est là-bas que je voulais aller au tout début. Désolé. De quoi? T'es voyant de ouf, mec. Ouais. T'es tellement voyant. Comment, but c'était la blague au début. Je veux les meubles. Ouais, c'est ce qui pourrait avoir une position. J'ai pensé à. En bas. Ouais. À un moment, mais je suis pas sûr. Bonne soirée. Bonne soirée, Chita qui est déjà parti. Attends. Il est où? On va essayer ça pour voir. Moi, je veux prendre un screen là. Attends. Non, on voit trop. On te voit de ouf parce que toi tu tombes droit. Je voudrais prendre un screen en train de boire un thé, genre. Juste derrière. T'as pas l'emote boire du thé derrière ça, Si, je l'ai, mais je cherche à quelle table je vais me mettre parce que je voudrais quand même prendre le décor avec. En fait. Derrière les trucs en bas, tu vois. Juste derrière. Ça va être sur une petite table, en de toute façon. Juste, pas le choix. C'est le cachet. le cacher comme ça. Bon, je vais me mettre là. Ah, je sais pas qui avait fait ça en se mettant dans le sous-sol derrière le truc. Ah, sinon, on peut aller se cacher chez Chihita. L'avantage, c'est qu'on peut se planquer dans le décor. Enfin, moi, je vais me planquer à l'extérieur de la maison. Il n'y a pas grand chose sur celui-là en fait. Je suis obligée de lever la tête, sinon on voit pas mon visage avec le chapeau. Attends, Roy revient. Ah, arrive.
Ouais, il est bien aussi en clair 3 là. Ça fait un peu dark et tout. En fait, s'il n'y avait pas la queue, je pense que ça pourrait passer inaperçu. Tellement. Parce que... Ah, c'est la ridicule, j'adore. Non, j'ai pas envie qu'elle regarde la caméra. Oh non, ça va. Ça. Il est pas mal, il y a des citrouilles, du mâche noir. Eh, il faut que je fasse attention ah bon où je me plante, moi, parce que je peux pas me poser n'importe où. Ah, de où, côté ah, genre comme ça. Enfin... bah attends, du coup, je vais peut-être pas me mettre là. Je peux peut-être... Non, non. Ah, tu peux pas. Oh non. Ah, moi, je pensais... Je peux me mettre là. Ah, c'est nul. Et considère pas ça comme un... Et considère pas comme un, comme un meuble, en fait. Ah, ah c'est nul. Attends. Je pense que t'arrives à avancer. Presque, presque. Hein. Attends, attends, si t'arrives à le mettre... En avant, ouais, ça devrait passer. Yes. Attends, attends, il va se mettre un petit peu, voilà. Ah, c'est beau. Ah, mais le problème, c'est qu'il y a les fantômes, là. Ouais, non. Mais en fait, j'aime bien cette table, mais ouais, les fantômes, ils sont un peu gênants, hein, du coup. Oh. Ou alors, dans ce sens-là... Oh. Attends. Attends. Attends, si ça marche... Avancer. Oh putain, non. Ah, je pensais tellement que ça allait marcher. Oh, ça aurait pu tellement marcher. Ah, mais c'est... Vas-y, l'horloge, là. Oh, je suis deg. Oh, merde. Mais il y a un mur invisible qui m'empêche d'y aller. Bon, je vais pas me mettre là. Je vais essayer de mettre ça. Je vais me mettre là. Alors, on va laisser comme ça s'il y a quand même deux morceaux qui dépassent. Le tout, c'est de se retenir de pas rire quand Mali va passer. tu te mutes à ce moment-là, tu me raccourcis. Tom, tom. Comme ça. Alors, en faisant les modes, du coup, ce que ça donne. Tu as des gens qui utilisent massivement ta chimio. Ouais. C'est ouf. Et puis je l'ai mis, pareil, ça. J'ai pas de demande à mieux aussi. Je l'ai, c'est incroyable. Comme ça? Ça, c'est bien, non? Est-ce que j'enlève un peu la profondeur de champ? Parce que c'est vrai qu'on voit pas... Putain. Ou alors... Je peux faire la même, regarde. Disparition. Légèrement. Genre comme ça. C'est tellement obvious à cause de la queue. Ah, attention, parce qu'après... Comme ça. Non, non mais regarde, tu la vois bouger. C'est bien là, non? Je trouve que ça rend super bien avec l'effet flou, ça donne un effet brume. Je l'ai mis très léger là, je l'ai un peu réduit, mais ouais, c'est pas mal, non? Je vais reposter un truc sur mon Instagram. FF14 screen que je n'ai pas posté depuis le Halloween de l'année dernière. C'est pas mal, hein? Bon, alors, il est quelle heure avec tout ça? 3h10. Eh ben voilà, c'est parfait. J'ai pris mon screen, vous êtes cachés, j'arrive. Prêt ou pas, j'arrive. Attention, j'arrive. Et on change pas de cachette en cours, hein, évidemment. Et il faut que je... Si vous êtes à l'intérieur d'une décoration, il faut quand même qu'on voit un bout de votre corps. Alors, tu m'as vu à chaque fois et on voit toujours un morceau. Oui. Non, mais je précise juste... Et on se camoufle pas en PNJ, hein. N'est-ce pas? Moi, j'ai envie de te dire, si tu as un PNJ caché dans un mur, je pense que c'est quelqu'un qui se cache. Alors...
Oui, certes, mais Ah, oh, c'est trop voyant, c'est chiant. Ah voilà, elle, elle arrive. C'est parfait. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Je suis bon. Tatam, tatam. Allez, Mali, il est temps de se faire bully. Bah oui, ah, évidemment. Je me trompe. Comme toujours. Et on lance pas un donjon juste avant qu'elle arrive. Je vais vous trouver. Alors j'ai combien de personnes à trouver là au fait, je sais même pas. Il y a Panda déjà. Mais t'es plus à dans la tête. Alors Panda, Sadako, Roy. Qui d'autre? Citrax, t'es caché? Non non, je suis en roulette mentale. Bah super. Il veut pas jouer à cache-cache. C'est un enfant mais il veut pas jouer à cache-cache. Moi je trouvais pas le manoir. Comment ça tu trouves pas le manoir? J'étais pas dans la mauvaise ville, du coup j'ai lancé une roulette. Mais c'est l'event d'Halloween. Bah oui, moi j'étais pas à Ulda. Regarde bien ma cachette, tu vois juste un point dessus. Il mange quoi? Tu vois un tout petit truc qui dépasse. Mais c'est tellement obvious. Oui, mais est-ce qu'elle va le remarquer? À mon avis, non. Elle va passer à côté de moi, elle va pas me voir. Oui, bah probablement, hein. Dis donc, l'un des problèmes avec ce manoir, c'est que je trouve que comparé à l'autre, il y a quand même moins de trucs. C'est ouais, plus large. Il y a moins d'endroits où se cacher. Parce que le truc, c'est que il y a principalement des citrouilles, les portes, ou alors te cacher derrière des meubles. C'est tout ce que tu peux faire ici. C'est plus large, certes, mais c'est beaucoup plus espacé. Tandis que l'autre, l'avantage, c'était le fait que ce soit plus compact et plus de décoration. Sans pour autant rentrer à l'intérieur. Ça, j'aurais voulu faire un jardin plutôt. Bah après, si on finit pas trop tard, on peut faire le jardin. Hein. Tout dépend de toi, Mali. Après, peut-être que ça peut être l'inverse. Hein. Tu te caches et les autres cherchent. Ouais, mais parce que si c'est moi qui cherche, au moins le stream voit que j'ai bien l'interface de cacher. Et surtout, le stream... Enfin, ceux qui sont cachés, vous me voyez passer devant vous et... Après, moi je veux bien, hein, mais du coup sur le stream je vais devoir cacher mon écran en fait. Ça qui est dommage. Pas faux. Pas faux. Ah bah oui. Ouais, c'est Maman Noël qui peut même faire ça. Oui. Tu fais ça à Charlayan avec la neige, tu fais hop là les décors Noël. C'est ça. I can see shit. Non, tu fais ça à Idylé avec la monture bonhomme de neige. Je fais un truc dans Idylé, s'il faut se planquer, je monte sur la tour et puis voilà, plus personne ne me voit. Selon le nombre de personnes, ce que tu peux faire, c'est que tu mets des gens à trouver et des gens qui te mettent un piège, un malus. J'ai rien vu ici. À Noël, c'était arrivé une fois, ça. Les mecs avaient commencé à faire le tour d'Idylé en bonhomme de neige. Et les gens se mettaient en mode suivre au fur et à mesure. Oui, il a commencé une chaîne, quoi. Il y avait une ligne de bonhomme de neige dans toute la ville qui tournait. À l'étendue, il y avait des gens qui faisaient ça avec le gros chocobo. Oh, Mali, c'est possible de monter sur ce meuble? Là qui était là-bas. Ouais. Non, l'armoire, on peut pas. Ah, dommage. Elle est trop grande c'est trop pour haut. Ça. Ouais, c'est... Lui, oui, je pense. J'ai essayé. Ah non, même pas. Non, lui, on peut pas non plus. C'est surtout qu'il y a un petit truc qui... Bon, après, oui, c'est facile à voir, mais c'est une possibilité. Coucou, Krij. Ça va? Hello. Mais c'est ce qu'on dit, hein. Gamer, donc... Alors, vas-y, raconte, Krij. Qu'est-ce que tu t'es coupé, fait mal, cogné aujourd'hui? C'est de voir. Ça va. Je fais du cache-cache. Je suis en train de chercher des gens. C'est chiant, parce qu'il y a un côté où je peux pas faire... Et ça peut durer assez longtemps, hein, le cache-cache, en vrai. Ouais. J'espère qu'il n'y a personne qui est dans la grosse citrouille, hein, bien sûr. Tu regardes et tu... Ça aurait été pas mal quand même sur le... C'est obvious, cette cachette. Oui. D'ailleurs, je sais pas où les pandas. C'est les cachettes les plus obvious, et du coup, bah... Ah, tu vois, là, Mali n'a pas cherché, ça se trouve, il y a quelqu'un dedans. Hein. Si, je regarde. Ça aurait été quand même marrant tout à l'heure qu'on était... Oui, il y a une petite citrouille dedans. On était je sais pas combien là, on était tous dedans quand Mali arrive. Oui, t'es marrant. Et le chat. Pour une fois que je sais rien faire. Très bien, continue comme ça, Krij. Très bien. Continue à ne rien te faire.
Du coup, le devoir de Mali pour la prochaine fois, c'est que tu le fais pas mal. C'est ça. Les instruments, ils sont tangibles ? Hein ? Non. Oui, ils sont tangibles. Enfin, oui, ouais. On peut pas aller dedans. Tu ne peux pas te déguiser en... Ouais. en tambour ou quoi ? La prochaine fois, je mets sur le tambour et je fais la représentation du barde. Bon. Personne ici non plus. Ou alors, je l'ai pas vu. C'est pas impossible. J'étais en train de regarder le Grand Prix de F1, donc je suis pas très tôt ici. Mais y a pas de souci, hein. Vis ta vie, y a pas de problème, t'inquiète pas. Personne derrière. En théorie, en regardant la télé, tu fais pas mal. Techniquement, oui. Après, oui, y a toujours des gens qui sont doués pour faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Personne ici. Imagine un mode propent. Capable de faire tomber la télécommande. Et de marcher dessus. Oui, ou alors tu fais tomber le coin de la télécommande sur l'orteil. Oui, voilà. Oui. Sur le petit en plus, là, tu vois, c'est bien. Ah oui, évidemment, coucher. Évidemment que le petit. Vraiment. Il y avait Nagisa qui était cachée là tout à l'heure. Je sens que si jamais ils te font un truc comme ça, que les gens y remarquent, ils vont te faire un propent FF14. Attends, déjà qu'il y a un mode ce serait pour rigolo. Le Crystal Conflict. On verra après pour les modes de jeu additionnels. Hein. Personnellement, je m'en fous un petit peu du Crystal Conflict. Ok, là on peut alors, pas grimper non plus. Dans le sens où ils font des championnats dessus, ne pas avoir de mode spec est un peu gênant. J'ai trouvé quelqu'un. De vrais mode spec. Ah ben voilà, on a trouvé Panda. J'ai trouvé quelqu'un. Effectivement. Maintenant faut sortir et faut aller devant l'escalier en attendant que je trouve les autres. Bonne cachette. Ou alors tu suis Mali. Ou alors tu me suis, oui, si tu veux. Si ça t'amuse. Ok, bah, maintenant je vais chercher les autres. Nous trouver aussi, mais. Oui. Sans dire où on est, quoi, s'il me trouve. C'est comme tu veux. Alors. Non, et dire qu'il y a encore le sous-sol et l'étage, là. Mais. Bon. Elle est marrante, cette citrouille. Et interdit aux ninjas sous dissimulation. Ah oui, bien évidemment. ça, c'est la base, quand même. Alors, j'ai retenu que les portes n'avaient pas de texture. Je n'ai pas oublié, maintenant. Ouais, il y a quelqu'un qui était caché dans une porte ? Oui. Bon, d'accord. Et le problème, c'est que le gant... En fait, il y avait le gant qui sortait. Mais le gant était littéralement de la même couleur que la rouille ici. Et en fait, au final, on voyait que les doigts. Et le problème, c'est que depuis le début, on me disait « Il y a mon bras qui sort. » Donc moi, je cherchais un bras. Sauf qu'en fait, non, c'était juste les doigts. Donc je cherchais pas des doigts. Si j'avais su, tu vois, j'aurais zoomé un peu plus. Enfin, j'aurais regardé de plus près. Mais là... Tu m'étonnes. Ah bah bravo. Y'a qu'à Senna qui s'enjaille. Je suis pas sûre, y'a Yotsuyu comme choix. Comment ça? Je ne sais plus. Vous parlez de quoi? En fait, tu sais, tu peux te transformer. Ah, dans le oui. PNJ. Oui, dans les PNJ, oui. Effectivement, il y a Valence. Ok, j'ai vu personne ici pour l'instant. Mmh. Je crois non, je crois pas qu'il y ait Yotsuyu dans le tas. Non, mais ça me dit rien. J'ai trouvé. Oui, il y a quelqu'un là.
Ah oui, je vois le chapeau. Pourquoi tu t'es changé pour être dans la citrouille? Est-ce que la parce tenue que, dépassait regarde, trop si, regarde si je mets dans la citrouille, la tenue, elle dépasse. Regarde bien en bas. Ah, bah oui. Avec la cape. Bah oui. Ouais. Ok, ok. Bon, bah, il reste plus que Sadako. Sachant qu'il reste quand même le sous-sol et l'étage. La galère. C'est pas de chance. Bon, Sadako, à tous les coups, il va être dans le donjon. Mais non, mais on peut pas aller dans le donjon, là. On est dans l'instance spéciale pour l'événement. Comment dire, alors. Ah oui, dans le... tu veux dire dans le donjon, dans les prisons. Ouais, voilà. On va dire ça. On peut pas aller là-haut, hein, non plus. Ah, quasiment. Ouais. Ah, non plus, on peut pas. Dommage. Ok, là, y a personne. J'avais suivi Mali en tant que Vanessa. Ah! C'était toi! Je vois personne. La fille qui te suivait en tatarue, c'était Papy. Eh bien, vu que t'avais ton chat caché, du coup, il en profitait. Bah oui, mais j'ai vu après, hein. C'est absolument pas son genre. Alors, je vais commencer par l'étage ou par le sous-sol? Oh, je vais commencer par le sous-sol d'abord. Oui, j'ai plus d'eau. Voilà. J'ai plus d'eau. Ah oui, j'ai oublié. Avec ta tenue avait changé. Bah désolé. Non mais je vais boire de l'eau, mais après. C'est quoi cette musique d'ailleurs là? Je voudrais bien la mettre aussi dans la playlist. La musique d'Halloween. Oui, mais on l'a pas dans le jeu, faut l'acheter. Je suppose. Potentiellement, elle a peut-être jamais été mise. Je sais pas. Peut-être. Potentiellement aussi. J'ai fait successivement Gaius, Valens, Ritatin et Satu. Tout à l'heure, Sadako était là. Elle est là. Je m'y suis pas. Ce serait marrant qu'il retourne au même endroit. C'est ça. Bah, si j'avais pas de mémoire, il pourrait. En vrai, il pourrait. Hein. Mais j'ai quand même un peu de mémoire. Ah, donc, mais je suis pas stupide au point d'utiliser deux fois la même cachette. Ok. Pas là non plus. Oh, dans ce cas-là, ça n'était pas si. Sachant qu'en vrai, il y a moyen de se cacher dans les débris, je pense. Hein. Ouais, comme ça. Genre là, là, on play dead, là, y'a moyen, là. On play dead. Bah oui. Bah faut l'avoir, les boîtes. Oui, bah oui. Bah sinon, t'es mage bleu, tu te suicides, quoi. Ça fonctionne aussi, mais faut pas se rater, par contre. Faut l'avoir, mage bleu. Oh, hé, hein. faut avoir le suicide. Oh, oui, j'ai assez prouvé que je l'avais. Oh, les catastrophes. Eh, mais je viens de capter, mais en fait, c'est les fantômes qui décorent les citrouilles. Non? Oui. C'est marrant. Ça va, Sadou? De quoi? Ok, apparemment, Sadako a vu passer quelqu'un. Oui, j'ai vu passer Panda. Je sais d'où il sort, mais je fais le tour quand même. Donc je suppose que tu es dans la pièce de milieu, du coup. Wait, what? C'est quel morceau, ça, Roy? C'est celle de Eureka Orthos. Ah, c'est pour ça que je la connais pas.
Elle a bien changé de tenue. C'est comme ils disent, une licotte portant en elle l'âme d'un mage ancien. C'est quand même visible, non? Quand je vais repasser. Parce que j'ai envie de dire que j'ai la queue qui bouge, donc... Moi, disons, faut qu'on un peu zoomer pour la queue. Ouais, tu vois quand même que ça bouge, hein. Ouais, tu vois le truc, mais... Tu penses pas regarder dessus, là, en fait. Pas... Attends. Je me suis tourné un peu pour que ça soit un peu plus visible. Je veux dire, je pense que Mali regarde à hauteur de tête. Non, mais c'est surtout qu'elle m'est rentrée dedans, mais elle m'a pas vu, quoi. Aussi. Elle me donne des indices, en plus. Quand tu me cherchais, j'étais plié. Ouais. Parce que nous sachons. Parce que nous sachons. Nous sachâmes. Putain, ce PNJ, j'avais envie de le brûler quand il a dit ça. Je vois pas de queue de micotte, hein. Pas de micotte. C'est que de dragon, mais oui. Ah oui, mais non, mais tu changes tout le temps aussi, là. Bah je change pas tout le temps. Si, tu changes tout le temps. Absolument pas. Suis. Surtout que tu cherches une queue de micotte, mais avant j'étais Viera. Hein. Oui, bah zut, hein. Change tout le temps aussi, là. Yep, celui-là même. Derrick ? Non, pas Derrick. Comment ça, je t'ai rentré dedans. Je suis pas rentré dedans. Journaliste conspirationniste des quêtes librantes, non ? Non, quand on parlait tout à l'heure, le nous sachons. Ah. C'est celui-là même. Comment ça, je t'ai rentré dedans ? De long, un truc comme ça. Ah, un Rainville. Mais sans la richesse avec ce personnage, voyez. Il y a une trappe dans la cellule. De quoi ? On sent la richesse ici. Avec ton perso. Comme ça. Ouais. Tu sais que la meilleure, j'ai hésité à la mettre en bunny. Je te vois pas, hein. Moi, je vois tous les mimes avec le fait que tu puisses lui changer de vêtements. Je sais pas si ça s'est passé ouais, quand j'étais au sous-sol ou au rez-de-chaussée, mais... Qui rentre, Je ne te vois pas. T'as Fourchonneau qui rentre, qui l'a en bunny-gar, qui commence à nous courser. Je sais pas où t'es, hein. You little shit. T'es où? Comment je peux te rentrer dedans? J'en dirai pas plus. Oui, bah oui, je m'en doute. Vas-y, il y a tellement de citrouilles là aussi. Bah évidemment, crie. Il y a trop de citrouilles là. Je vais prendre une douche, je me suis transformé en Valence. Ça c'est fait. Le pop-it. Bon, il n'est pas sur l'appareil de torture. Alors si je lui suis rentré dedans, c'est qu'il est soit ici, soit au rez-de-chaussée. Ça t'élimine déjà l'étage, non? Oui. Ouais, je peux pas me transformer. A test of your reflexes. Ouais, vu qu'on est pas beaucoup, autant éviter de... Pardon. De trop voilà. Pas là non plus.
Pas là non plus. Bonjour. Bonjour. Je refais tout le tour, mais il me semble que j'étais pas passé là déjà tout à l'heure, donc techniquement t'es pas là. Parce qu'apparemment je suis déjà passé à côté de toi. Donc du coup c'est que tu dois être au rez-de-chaussée ou sur le chemin vers le rez-de-chaussée. Ouais, non, je suis pas allé là. Je suis pas allé là, donc normalement t'es avant. Je confirme, je suis déjà passé près de toi, Sadako. Ouais, ouais. Bon, t'évites de mettre tout ton poids sur ta patte, le chat, ça fait mal. Par contre, j'ai déjà refouillé ici, donc je pense que soit je suis aveugle. Je suis aveugle. Super. Super. D'ailleurs, c'est gratuit. On pas grimper là de toute façon. Bon. Sadako, où es-tu? Bonjour Mali. Quoi bonjour? Quoi bonjour? Comment ça tu me vois? Comment se met le trou? Je t'ai déjà trouvé de toute façon, arrête de m'embêter. Je vais le trouver. On peut pas aller là, non? Non, on peut pas aller là. Moi, j'ai perdu tout le monde. Ah, je retrouve ma ligne. Oui, je suis en train de monter. Parce que apparemment je suis déjà passé devant et le seul endroit où je suis déjà allé c'est le rez-de-chaussée. Donc ça veut dire qu'il est au rez-de-chaussée quelque part. Là j'ai vu personne, je pense pas que c'est là. Puis là, les meubles, ils sont durs, donc on peut pas se mettre à travers. C'est Trax ? Oui. Trop bien. Ouais, ouais. Ah, super. Je te vois de là où je suis. Dis rien. Oh, mais je t'ai pas vu. Donc Ah oui, d'accord. C'est pour ça, je le dis aussi. Mais t'es pas au rez-de-chaussée du coup? Si, si. Parce que je vais devoir Citrax réapparaître comme par magie là en fait. Bah non, je suis dans le couloir. Oui, mais je t'ai vu pop d'un coup en fait. Ah, il y a trop de monde alors. D'accord. Tu as lagué. Mais t'es où? J'ai foutu dans la porte, mais j'ai regardé la porte pourtant. Mais vas-y là. Bah oui, mais j'ai regardé la porte déjà, j'ai vu personne. J'ai cliqué et tout, il y avait personne. Ou alors c'est que le clic il fonctionne pas, mais. Arrêtez de me lancer des sorts. Il n'y a personne dans la porte là. Mais si, mais j'ai cliqué. Tu triches ? Bah non, je suis obligée en même temps. Tout à l'heure j'ai cliqué, il n'y avait personne. Tu vois pas le bout qui dépasse ? Bah là oui. Il y en a qui dépassent. Ah oui, mais ça dépend là, oui, comment. En fait, ça dépend de ta respiration, hein, parce que bon. De l'angle où j'étais, moi je te voyais pas du tout hein, depuis l'autre côté. Bah oui. Ouais, c'est pour ça. Saleté, va. Bah oui, mais ça se joue à l'angle. Mais le pire, ouais, c'est que vous êtes témoin, hein. Je suis venu, j'ai fouillé la porte et tout, hein. J'ai fait que la souris et tout, et j'arrivais pas à le sélectionner. C'est pour ça que j'ai dû couper le bloc parce que j'étais en train de rigoler. Parce qu'en fait, le problème, c'est que même si je mets la caméra là, si je suis trop proche de toi, tu vas pas apparaître en fait dans mon champ de vision. Donc je suis obligé de cliquer.
Et j'ai cliqué et j'étais, il y avait pas de, il y avait rien. Et moi ma position j'étais. Saleté là. Saleté là. Vas-y y est. Vas-y. Il faut avouer qu'il y a pas grand chose ici pour se cacher. Bah vu le nombre de citrouilles quand même. Oui mais à chaque fois vers citrouille, moi mon chapeau il va, j'en ai pas des masses. Hein. Alors. En quoi je vais me camoufler, tiens. Bah ça, c'est très bien, ça. Bonne nuit. Bonne nuit, Yoshi. Merci d'être passé. Bonne nuit, Yoshi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des émotes en étant oui. costumé? Ouais. En oui. let's go. Oui. Tu peux boire du thé. À ton sexe et à ta race, d'ailleurs. Alors, attendez. Boire du thé. Parce qu'elle aime bien le thé. La waifu. Bref. Bon, moi, je vais arrêter là. J'ai quand même beaucoup stream aujourd'hui. Mais c'était marrant. Je pense qu'on fera un cache-cache pour Noël aussi. Ce sera sympa. Oh, il y a la brioche. Il y a la brioche, regardez. Ouais, ouais, il y a Sika. C'est la brioche. Ah bah, c'est plus la brioche. Bon, bah du coup, je reviens, je vais couper mon stream. À toute. Moi, ouais, c'était marrant. C'est marrant, le cache-cache. C'est sympa. En vrai, on peut tellement passer du temps là-dessus, si vous saviez. Même imaginez, hein. Genre dans des villes comme Crystarium, Charlayan, Razatan et tout, la galère. La galère. Oui, c'est ton perso, du coup. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de vous cacher. Oui, je vais aller boire de l'eau. Attends, bon, je vais remplir mon verre d'eau juste pour te faire plaisir. J'arrive, j'arrive. C'est bon, je suis allée chercher de l'eau. C'est bon. Bonne nuit, Eda. Merci d'être passée. Alors, laissez-moi me rasseoir. Voilà, je m'hydrate. Voilà, je suis hydratée. C'est bon, Chris. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'être passée. Ah oui, non, attendez, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous montrer. Attendez. Je devais vous montrer les fameux clips. Fameux clip. Du fameux Urianger en PLS. Alors, comment je fais? Faut que je fasse une capture d'écran que je n'ai pas sur cet écran, évidemment. Voilà. Vous voyez, là? Vous voyez? Le Urianger en PLS. Attendez, je redimensionne. Voilà, c'est comme ça. Avec la petite musique qui est bien. Attendez, vous allez voir. Faut que je remette le son. 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 Ah bah non. Faut que je remette le son. Ah bah non. Faut que je remette le son. Ah bah non. C'est le Malidoudou Inception. Comment je fais du coup? Si je sais. Faut que j'aille là et que je coupe. Et normalement c'est bon.
Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était juste ça. Et l'autre, pour la brioche, je vous montre ça tout de suite. Voici la fameuse brioche. Voici la brioche. Ah voilà, parfait. Elle est ici. Voici la brioche, messieurs, dames. Voilà. Voilà. Bah oui, parce qu'il s'appelle Sicard. Il s'appelle Sicard. Du coup, bah, c'est Sicard la brioche vendéenne, voilà. C'est tout. Et c'était ça la blague. Mais en plus, ça s'écrit pareil. Bah oui. T'as des bons clips, hein, quand même, hein. N'hésitez pas à faire des clips d'ailleurs, hein, sur les streams, si vous voyez des trucs rigolos, des trucs épiques, des trucs what the fuck, n'hésitez pas, hein, vous avez le droit de faire des clips. Hein. J'ai fait tout le dialogue avec ça. Hein. Voilà, moi j'étais morte de rire. Hein. Surtout qu'en plus c'est une scène assez sérieuse. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai fini de vous montrer mes conneries. Voilà, hop, c'est bon. Maintenant, je vous dis bonne nuit pour de vrai. Merci à tous d'être passés, en tout cas. Reposez-vous bien. Bon courage pour le début de semaine. Aïe. Moi, je vais encore me faire martyriser par le kiné. Il va encore me défoncer, là. Les épaules et tout. Bonne nuit à tous, merci d'être passé, à la prochaine, tout ça, comme d'habitude, voilà. Au revoir.